Dites bonjour à ton tube. Bonsoir ton tube. Yo ho ho. Avec un dé d'Ala Didou. Mais attends, pourquoi j'ai aucun son? On se suicidera avec toi. Si c'est bon, j'ai un son. Ah, on a un double son. Allô? On a un double son. C'est normal. Ah ouais? Allô? Mentalo? C'est bon, on vous entend. Foutez-nous la paix, on écoute. Allô? Mentalo? On écoute l'histoire là. Vos gueules. Wait, we are not alone. You know you cannot hide from me, Jack Sparrow. I wasn't hiding. I was eavesdropping. Vastly different pastimes. There you stand. Another pirate who's twice come back from the land of the dead. Who escaped the raid on Isla Tesoro and even found the Fountain of Youth. Hey, have you been gossiping about me with this strange, book-obsessed individual? Whatever they've told you, it's not true. Unless it's flattering, in which case, it's all true, but they left out the best bits. The man who stole the only trinket that can reach David Jones. A pendant twin to the one Jones himself. How can you know all this? That pendant belongs to me. You can't be. Aye. This time it was the sea what brought you back to me, Jack. See you, Dolma. Look, Calypso. Shouldn't you be floating on a cloud of bubbles, whatever it is sea goddesses do? And while I'm asking you questions, am I alive or am I not? I look like a ghost. I can turn invisible. Yet I can still touch my belongings. The Sea of Thieves is a haunting place. It bestows many gifts, even upon the dead. That is why I followed the Black Pearl here. To protect these sacred waters from Davy Jones and that which follow him. That is all the answers I have. Now you must listen. David Jones knew that the pirates of this world threaten him plans. So him summoning his own dark version of a brethren court, made of those cruel and corrupted souls who long to rule the Sea of Thieves. If you succeed, his power will be greater than ever before. This is why I love running to old friends. They always have such cheery. But if Jones is inviting his friends for tea, that means we know where to find him. And, by the by, my treasure. You speak the truth. And since you still hold the key to his fortress, with my sketches you can find your way inside. Think of what you want most, Jack Sparrow. It will show you the way. Right, well, given that these are unfamiliar waters, I lack a ship with which to sail upon them. Critical decisions must now be made. You will always remember this as the day your crew was joined by Captain Jack Sparrow. Now, I know that's a great honor to bestow upon a humble vessel such as yours. Attention. I promise you won't be an imposition. Theodoma, about that treasure, if it was entrusted to Davy Jones, that can only mean... Hush! There are some truths not ready to be told. Their time will come when a deed is done. Now make sail with a Jack and be swift. Oh, well then. See you aboard. Très bien. On se revoit donc à bord. Camarade! Rod. Ah, y'a le dessin. Y'a le dessin ou ça? Regarde, tu sais comment on fait pour aller choper ces fables ou pas? Alors absolument pas, hein, tu sais... Reste appuyé sur A. A. Ensuite tu fais espace.
4. Ah, ok. Faut que je... Ah, pardon. Et ensuite, non, t'as juste à glisser ta souris dessus. Ouais, sur le petit bouquin. Ouais, et ensuite, sur le bouquin, quoi. Quand tu es là, à la fin, regarde. Comment on fait pour tourner les pages? E. Ah, E, ok. Ah oui, venez. Il y a une petite carte. Ouais. Alors du coup là on va prendre le Black Pearl là. Non pas vraiment. À tous les coups on va se faire un parce que y a un Kraken qui va surgir. Il va bouffer Jack. Non, il a fait un 12, normalement tout se passe bien. Il a fait un 12, ok. Je me demande si c'est la voix de Johnny Depp. Non. Pas les droits d'image. Devil's Ridge, the Devil's Roar, the Devil's Thirst. Once again, proving that pirates are an unimaginative lot when it comes to naming things. J'arrive pas à trouver, ça m'énerve. How can it be the lost gold fort if everyone knows where it is? Alors, bien au nord. Normalement, il y a une histoire avec les smugglers là. Ouais, bah c'était ça que je cherchais, mais j'arrivais pas à le trouver. Smuggler B. Ouais, c'est bon, c'est au nord. C'est là à peu près. Donc là, faut qu'on monte directement au nord, c'est ça? Parce que t'es entre Old Faithful, c'est où Old Faithful? C'est juste là à droite. Ouais, c'est entre les deux là, c'est au nord. C'est. Donc là, ok, go au nord. On peut même la trouver avec un peu plus de précision si vous voulez. Hop. Je pense qu'on est plus là ou là. Ouais, non, un peu plus à gauche du premier cercle. Ouais. Parce que là, il y a. Ça, y a pas problème. Plus loin. Parce que t'as les carreaux. Donc, en fait, si tu regardes bien sur ton truc, t'as les carreaux. T'as 1, 2 carreaux au-dessus, 3 carreaux au-dessus et sur le carré. 1, 2, 3. Ça doit être. Hop, attends. 1, 2, 3. Ouais, du coup, c'est ouais. Et bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, il est quasiment indiqué sur la carte. Hein. Regarde, montre encore. Tu le vois? Ah, bah oui, terrasse de corail. Il est là. Donc, il faut se rendre entre I et J. Faut passer par là. Ah, oh, punaise. Tu vois, voilà. Tu vois ce que ça me fait faire? J'ai avalé de travers là. Ah, ça, c'est toi que ça regarde. Donc, faut que j'aille au nord, c'est ça? Fais ce que tu veux. Alors je vais te donner une direction précise. Ouais, et si quelqu'un peut me dire s'il y a des cailloux ou pas devant, parce que je vois R. Eh bien si tu peux mettre ta barre légèrement à gauche, ce serait parfait. Waouh, on est loin. Tu prends nord-nord-ouest. Ok. Et on rectifiera, on n'y est pas encore. Donc j'ai toute la barre nord-nord-ouest, c'est ça? Nord-nord-ouest, ouais. Enfin, tout. Comme tu es, c'est parfait, tout. Mon chou. Ah, mais non, je crois que j'ai vu un caillou devant. Un caillou. Ouais, tu rectifies en fonction de ce que tu vois. Ça devant. Manque de perroquets sur ce quai, qu'en pensez-vous? Ouais, de chiens aussi, de chats, de. Ah, si vous voulez, je peux faire le chien, waf waf. Je suis très convaincant. Alors si vous voulez je peux ramer aussi, j'ai une pelle. Voilà, c'est juste ce qui nous permet d'avoir des informations. Le reste ne m'intéresse pas. Ah, c'est le perroquet, trop drôle. Oui. Parce qu'il est roux et il est quai, c'est ça? Si l'on veut. C'est le capitaine amiral, c'est le chef du bateau. Tu
Bon, globalement, t'es très très bien, mais si jamais tu croises un obstacle, tu le contournes par la gauche. Mais sinon, tu es très très bien. T'es si bien que je pourrais presque pêcher. Bah, dis pêcher les gars. Amener on du jamais rien. À bord. On vendra jamais rien. Est-ce qu'on pourra. Bah, frérot, vas-y, pédale. On a pas une rame à lui filer pas. Ouais, dans vas-y, la tronche. Vas-y, pagaille. Qui devrait pégayer Sinon, il y a des appâts, hein. Tu sais qu'il y a des appâts en bas. Hein. Jamais tu veux. Il y a Galion, droit devant. Galion, est-ce qu'il faut charger des boulets? Ça a l'air d'être des joueurs. Ils ont Je un crois pavillon. Que tu... Je crois que tu les vois. Est-ce que c'est ceux qu'on voit sur carte? Ouais. Rah, par contre, le fait qu'on puisse s'asseoir sur la table, c'est fatigant. Hein. non, c'est pas ce pavillon-là qu'ils ont. Donc, non. Normalement, ce ne sont pas des joueurs dits ennemis. Et sinon, faut pêcher non, ici au vert de terre. Ou pas? Non, c'est un brick. Ouais, non, on n'a pas de pavillon là. Mais je peux t'arranger ça. Ah bah il y va. Bah ouais, hein, il y monte, il y court, il y vole, il y saute. Il y direction va. Nord. Sea of Thieves qui me rappelle toujours que mon écran est dégueulasse. Bon bah pensant là, petit rhum, petite clope, hein, qu'est-ce qu'on en pense hein. YouTube, boire c'est pas bon pour ta santé, laissez-moi picoler ce que vous n'avez pas le droit de boire. Non, 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 c'est pas de la picole, c'est du roleplay. Y a un objet de type non céleste devant nous. Il faut utiliser quel J'arrive. Bah je vois que tu risques d'arriver peut-être un peu court. Mais un non. Un objet non céleste. Aïe. Ouais. Le type caillou. Le croquet de basket. Il y a une petite lumière bleue au loin. Ouais, laisse là la petite lumière bleue. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un event. Ah. Excusez-moi, je suis un peu un noob dans le jeu, c'est pour ça. J'ai reçu 1000 balles. Ils donnent vraiment de l'argent pour n'importe quoi maintenant dans le jeu. Hein. C'est un scandale. Bah, c'est dès que tu fais 1000 nautiques, t'as 1000 balles. Donc 2000, 3000, 4000 et ainsi de suite. C'est honteux. La qualisation d'un jeu. Ah, par contre, ça c'était une épave. A plus tard. Ouah, trop stylé, ça y était pas ça avant. Oh, je suis stylé. Ça ah, ouais, c'est pas. Trop beau. En fait, t'as un Kraken slash Mégalodon, je sais pas trop quoi, qui est éperonné par un. Une coque de navire. Wow. Il y a un coffre ouvert dans les bas-fonds, mais il y a rien, c'est que un screenshot. Non, c'est mort, tu iras regarder la vidéo YouTube et t'en profiteras pour mettre un pouce bleu et dire que c'est incroyable comme vidéo. On apprécie le choix de ne pas avoir monté la vidéo, ce qui permet de restituer l'intégralité, de, bien sûr, et l'authenticité du jeu, avant de tout. L'authenticité du monde. Ah, par contre, je suis revenu sans pouiller l'île, alors ça, c'est une faute grave. Lille. Ouais, j'ai pas rempli mes poches avant de revenir. Pardi m'en veut personnellement. T'es toujours en nord-nord-ouest? Ouais, ça a l'air d'être bon, hein. Je suis juste au-dessus, je vois la carte. Ok, bah hésite pas à tirer un poil plus nord que nord-nord-ouest. Il y a des petits joyaux. Ah non, mais t'es en nord-ouest, d'accord, donc mets-toi bien en nord-nord-ouest, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Sinon il pêche bah ouais, ou il sert à rien là. J'aimerais bien me mettre en nord-nord-ouest frérot, mais il y a un truc de type non... Non céleste. Non céleste devant. De bah, type très dur. Alors, trésor découvert. Ça s'appelle le nez du navire. Enfin, le... Oh, c'est moi qui ai découvert un trésor. En allant dans l'eau. Félicitations. Merci. Alors comment on fait pour lâcher un trésor? Ah, tonneau repéré.
Merde, je suis tombé. Vous êtes béton comme un pauvre con. Oh, et vous êtes passé à côté de l'échelle. Félicitations. J'ai du coup, j'y vais à la nage, c'est ça. Bon, fais gaffe, il y a peut-être... tu vas peut-être jeter... Non, parce que tu risques d'exploser, je sais pas. Non, c'est bon, c'est passé. C'est bon, par contre, il y avait moult de trésors, hein. Oh, oh la vache, oui. Oh, le nombre de trucs qu'on a raté. T'es dessus? J'ai une boîte. Je sais pas, t'as acheté l'encre ou pas? Bah ouais. Excellent. Bah on va se régaler, hein. On va s'en mettre jusque là. Hein. J'arrive. Dadada. On est un peu loin quand même. Oh, ça va, hein. Ça se fait. Hein. T'as réussi à choper le caillou bleu? Attends, je viens seulement d'arriver, frérot. T'énerve pas. Je crois qu'il y a un caillou bleu qui a plongé. Il y a un crâne là. Quelques boulets de canon, mais bon, ça fout. T'as pris quoi? T'as pris la boîte? Tu prends le... T'as pris quoi? J'ai rien pris encore pour l'instant. Ok, je prends la boîte, je te laisse prendre le crâne. A plus tard. Ok, des bisous. Tu sais que t'as un beau petit cul sous l'eau? Vous avez mis le pavillon... Ah, c'est le miroir déformant, parce que sinon c'est un énorme fioc. Ouais, j'ai mis le pavillon Alliance, au moins comme ça on vient pas nous casser les bonbons. Ah, les interactions sociales de l'épisode, ça s'améliore pas. Hein. Y'a un type requin derrière moi là. Bah, c'est pas un type, c'est une type. Je vais repérer cette femelle. Hashtag j'ai l'impression. Ouais, bah, elle est sur tes talons. Bah, elle non, elle est sur les miens maintenant. Bah elle est morte. Voilà. Il faut récupérer un bout de steak. Il reste un truc derrière toi, c'est le crâne? Ah oui, c'est le crâne. Bah ouais, je l'ai lâché pour attaquer le... Pas de soucis, pas de soucis. Il est où le bateau? C'est bien, ils ont eu la courtoisie de nous filer de la viande directement cuite, ça c'est trop bien. Ah par contre, ah oh. Oh, l'inventaire pas rangé, oh, oh. Enfer et damnation. Comment on fait pour lâcher le trident, le trident des sombres, de X. La sombritude X. Tiens. Merci. Ah merci, je m'y mets tout de suite. Viens m'aider aussi à lever l'ancre, ça m'arrangerait. Ah oui, parce que là on est plus sur un... Ah, on est plus sur un petit sloop, doggy dog. Bah, je suis passé un peu trop vite. Bah... Allez, viens pousser toi aussi là. Allez, hop. C'est bon, j'ai fini ma part du travail. Je voulais faire cuire mon requin. Ah, tu donnes ça père. Bon, bah, si il gère, il gère. Hein. Moi, ça pose pas de problème. Il connaît pas les cuissons. Ah, si, 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 monsieur. Si, il maîtrise. Moi, saignant à point carbonisé. Hein, tout ce que... Oh là là, et IRL. Hein. Enfin, moi, je dis, hein. IRL, qu'est-ce qu'on mange bien? C'est le... Je suis le monsieur. Hein. Je le dis. Hein. Tu sais pas où manger là? J'ai une petite adresse là. Le problème, c'est que le restaurant il déménage souvent, mais sinon, petite adresse incroyable. Hein. C'est une adresse c'est, qui devient... C'est pas très carné, mais... Bon, oui, on aime voilà. Beaucoup. Ouais, c'est mignon, c'est gentil. Mais c'est vrai, en fait. Parce que moi, dire des trucs mignons et tout ça, non, pas vraiment, mais... Mais des trucs vrais, oui. Surtout que tu sais qu'évidemment, comme artisan que je suis, je suis assez une fine gueule. Ah, ça, c'est sûr. Et grande gueule et fine bouche à la fois. Hein. Et petite bite aussi. Bref, Ouais, ça fallait pas le dire. Oh, écoute. Hein. Cuisiner tous les types de viande. J'ai reçu un message Discord, j'espère que ça va rien faire crash. Hein. Attention. Ah. Avec ses parents. Bon, allez, un petit verre de grog. Ouh, j'ai pas crash. Incroyable. C'est bien le nouveau PC de gaming. Ah, t'as un nouveau PC de gaming. Ah, ça y est, t'as remarqué que c'était un rat. Tu sais quoi d'ailleurs, je vais nous mettre un pavillon de rat. Comme ça, on est bien à thème. Qui est un rat? Bah c'est le truc qui tient la barre.
Bah oui, sinon je pourrais pas jouer à Sea of Thieves, frérot. C'est mal la taille du rat, hein. Je l'attends. Ah bah il a bien mangé dans les cas, voilà. Hein. Quand tu vois tout ce que j'entrepose comme fruits et comme viande et de poisson... En même temps, ça se voit que... Vestige du chaos, le mec. Hein. Je tangue. Le tangue, ah. C'est pas à cause du navire. Je crois qu'on voit All Faithful All Eyes devant nous. Oula, il est compliqué le mot. On va laisser tomber le mot, il est trop compliqué. Je vois l'île de All Faithful, hein, voilà. De vieille face. Ça va, je suis toujours dans la bonne direction, camarade. Quel petit picole comme un trou. Je dirais ça une fois que j'aurai fini de rouler mon clop. Oui, si tu passes à gauche de cette île, potentiellement t'es dans le bon sens. Hein. Ouais, j'avoue que c'est quand même un jeu qui fait la promotion de l'alcool. C'est pas très. Comment dire, c'est pas très LREM, c'est pas très. Oula, le mec il se politise, attention. Ah, attention. Ouais, les mecs ils lâchent des camarades et tout en pleine guerre ukrainienne, là. Il y a n'importe quoi. De toute façon, ouais. Les camarades sont des deux côtés, mais ça dépend de quel côté tu es. Oh, d'ailleurs, parlons politique, je viens d'apprendre qu'on risquait de se taper des réfugiés russes là. Et ukrainiens. Et déjà, première vague de Polonais. C'est pas grave, ils sont comme nous, ils sont blancs. Oh là là, ça veut dire qu'on aura enfin de la bonne vodka avec un peu de chance. Tu veux dire de l'immigration de qualité comme. et des petites russes à ne pas savoir quoi en foutre. Enfin, si, juste. Enfin, c'était dans l'intitulé. Je vois une zone de lumière droit devant un peu chelou là. Je crois qu'il faut aller là-dedans. Ouais. Ok. Imaginons les gars de l'inverse. Si la France elle avait été attaquée, est-ce que genre les États-Unis nous auraient proposé de nous envoyer des avions ou l'Ukraine? Les États du quoi? Je connais pas. Si on avait été attaqué par les Russes, si on avait été attaqué par les Russes, ça veut dire que l'Allemagne aurait déjà été envahie et tout. Ouais, carrément, je pense. Hein. Oh, moi j'ai envie de plonger à l'eau, je crois qu'il y a, il y a encore des tonneaux sur la droite. C'est que je me casse. Au revoir le scénar. Il y avait de l'argent. Désolé pour le scénarium. Faut jeter l'ancre. Pourquoi? Bah faut plonger. Faut plonger. Non mais c'est sérieux ça. Mais est-ce que ce monde est sérieux? Non, c'est ça. Hein. Là, oh là là. Ça quel plaisir. Hop là. Le petit steak de poisson là. Il a pas voulu sauter. Ah, il y a quelque chose au fond. C'est bah beau. Ouais. Normalement c'est tu plonges et... Ouais. Bah, normal qu'on ait de l'eau dans le navire ou c'est moi qui bug? Non, c'est toi qui bug. Qui bug. Par contre, comment on fait sans oxygène? Oui, ça va bien se passer, t'inquiète. Non, tu vas à des endroits où tu peux respirer. Sur certaines plantes, tu peux respirer. Ah oui. Tu suis les débris, t'auras de l'oxygène. Des petites bandes jaunes là. C'est joli. Non, tu verras, ça fait des sortes de bulles. C'est sorte de cheminée, non? Ouais, c'est ça. Ah oui. Cheminée. Bref. On a changé de jeu. Donc là, du coup, normalement, tu dois continuer tout droit, aller en face là-bas, descendre sous le. Il y a peut-être des choses dedans. Non, il y a rien. Un peu de ça. Alors, hop, il faut descendre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à voir par ici? Rien dans la cabine? Non, il y a rien. Il y a des étoiles de mer. Ouais, effectivement, on voit. Il est sympa ton panneau. Merci. Dommage qu'il y ait quelque chose pour cacher. Y'a rien là. On s'éloigne. Non, on s'éloigne. Je dirais qu'étant donné que les colonnades nous amènent plutôt vers le top. Ah, j'ai trouvé une caverne.
Nice. Bah ouais, il me faut de l'oxygène. Je peux pas entrer dedans. Je peux pas entrer dans la caverne, faut que je trouve l'entrée de ce truc là. Peut-être un peu plus au torps. Peut-être un peu plus sur le teco. Cette carcasse peut-être. Ah oui, une sorte de... Oh, cette carcasse, on peut pas y rentrer par là. Non, ça a pas l'air. C'est une grotte magique. Ouais. Effectivement, il y a du loot. Il y a un requin, les gars. Hein. Ah bah, il nous a pas attaqué, laisse-le. Le flic-flic, c'est qu'un saumon. Il m'a attaqué. Et je l'ai perdu. J'ai perdu un requin. Hein. Je sais pas comment j'ai perdu mon thon là. Il y avait un thon, je l'ai perdu. Hein. Il est là. Le bâtard. La viande allait remonter. Hein. J'ai pas réussi à la voir. Moi je suis mort. Là ici. Comment on fait déjà cette merde là? Je suis mort, ah, mais j'ai trouvé. Je suis mort, mais en mourant, j'ai trouvé l'accès. Noté. Et j'ai une flamme. Moi aussi j'ai trouvé l'accès. Comment on fait? Ah merci. Alors, il fallait taper, ça va me faire repopper sur le bateau. Frérot, t'es où? Faut taper là-dessus. Ah oui. Genre là. Ouais, ok. Putain, c'est stylé. Bon, on va se battre. Faites-le plein de nourriture et d'armes à feu, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ah, y a même de je déteste ma vie. Ouais, bah c'est, on va se battre là. Attendez, j'ai déjà foiré la quête du coup là. Ah non. Et dans des sombres marées. Hop, allez, on va se battre. Cavalier de Théoden. Ah non, je me suis trompé, pardon. Nageur de Théoden. Nageur. Alors venez vous battre. T'as vu ce qu'il y a à droite là-bas là? À droite là-bas? Ou là-bas à droite? Enfin à gauche là maintenant. Attention. Ah merde. Ah donc maintenant on peut revivre, ok. Merci. Ah. Alors je suis mort en voyant l'accès. Donc est-ce que je peux le retrouver? Oui, je le vois. Ça pète de partout, c'est pas ouf. Ah c'est trop bien. Ah non, je sais pas, j'étais bloqué, j'ai pas compris. Ah merde, j'ai pas pu te ressusciter. Bah c'est pas grave, c'est bon. J'ai compris, tu me fais la tête. On peut stocker des trésors. Intéressant. Ok. Ça va voir mieux. Bidus. Alors, est-ce que je peux faire ça? Ça déverrouille le truc. Et est-ce que je peux genre tirer sur Pardy? Pardy, t'as des gens close avec toi ou pas là? Genre si je tire là. Ah, ça marche pas, ça passe pas de la porte. Attends. C'est bien foutu. Hein. T'es prêt? Vas-y. C'est bon? Ça c'est pas cool. Tu serais t'es prié de prendre l'aggro s'il te plaît. Ah, il se téléporte. Oh chic des appâts. Économiser de la nourriture vite. Ah oui, c'est vrai, ça monte. Tous les matins. Et là, en gros, tu te rappelles avec les sirènes, là, quand il faut les... Moi, oui, mais tu peux expliquer à notre ami ici présent. C'est pas de quoi tu lui parles. Qu'est-ce qu'une sirène? En gros, regarde derrière toi.
en bas là, il y a des sirènes. Ah, dans les sortes de statues. Ouais, voilà, il y a des statues comme ça. Et normalement, si on les frappe. Eh, je me fais bolos. Ah non, c'est pas celle-là. Je me fais bolos par quoi? Ah ouais, moi aussi je me fais bolos. Ah, ça pique, eh. Ah oui, c'est passé les sirènes. Ah, je suis mort. Quelqu'un vient me récup. Attends, comment on fait? Ah mince, je suis mort aussi. Je me suis fait avoir pendant que j'étais... C'est grâce à mon super baril. J'ai poursuivi une sirène, je la one-shot. Bah je l'ai one-shot, figurez-vous. Et il danse à côté de nous en plus, hein. Ah, ça nargue, hein. J'ai toujours su que les sirènes c'est des vicieuses. Ah. Si tu connaissais la portée de tes mots. Buvons un coup de rhum de Kraken. Ce que ne voit pas YouTube, c'est que j'ai du rhum de Kraken. C'est ce qui fait qu'on fait les fables, hein. C'est parce que j'ai corrompu Pardy avec une photo. Corrompu en une seule photo. La tour. Hein? Oh bah je ressors pas du bon côté là. Mais j'ai pas envie de gaspiller une balle pour cette merde. Non mais je pouvais utiliser le trident. Faites des choses, vite. Tuez ces pourritures communistes. D'extrême droite, évidemment. Qu'est-ce que c'est bon. Ça? Ah, c'est un truc nul. Chef des sirènes vaincu. On a des reliquats spéciaux. Et mais toi. Les munitions. Où sont les munitions? De la bouffe. Nice. Où est la bouffe? Des munitions, vite. Oh, j'ai mangé de la bouffe, quoi. Terrible, cette valeur marchande qui a été consommée. Tout cet or qui a été perdu. Tu n'as pas honte? Ouah! Super feu d'artifice, je le prends. C'est inutile sur 20, là où on est, mais... stylé. Ah non, mais donne-moi tout ça, c'est mieux. Le bâton de sirène, le bâton de sorcier, il est pas mal. Hein. Ah, mais il se casse. Je suis mauvais. On peut toujours ramasser en lâchant. Ce combat en 3 dimensions est digne de Starship Trooper. Hein. Moi. À la cuvette. Alors, on a des trésors, non? Non. J'ai pas l'impression. Hein. Il y a des petits entre trucs. Se faire douiller et se faire douiller, je crois qu'on a choisi l'option se faire douiller. Hein. Ah, j'ai entendu un truc qu'il fallait pas! Se faire douiller? Oh, j'ai l'impression d'être dans Battlefield, là. Alors que j'ai jamais joué à aucun Battlefield. Ah, c'est quoi ces coups de bourre? Oh, j'ai l'impression d'être en héros et KO, sans être le MJ quoi. Wow. Vu. Touché. Ah. Retouché. Tué. On l'a dégommé. GG. Vu. Touché. Mort déjà en fait. Ah, cuvette. Alors pour l'instant, cette fable est moins bien que les autres. Hein. Je le dis, non? Pourquoi? Parce qu'on se bat? En boucle, quoi. Genre, salle suivante, quoi, s'il vous plaît. Mais là, du coup, ça va peut-être monter jusqu'en haut. Où sont les donjons? Moi, je veux un ça donjon. Monte rarement jusqu'en bas, hein, si je puis me permettre.
Ouais. Oui. Non, ça ressemble à une attaque de sbires. Quand les sbires contre-attaquent. Ah. Ah. Arrête de faire ton vénère, toi, viens là. Banane. Pomme. Trop bien, perroquet qui reste à côté des munitions, trop bien. Lucide le perroquet, hein. La créature la plus lucide du jeu. Je crois. Parce que, bon, entre les sirènes et les joueurs, hein, j'ai vite choisi le perroquet. Cuvette. Comme quoi ce qu'on fait c'est vraiment de la merde. Mais non, dénigrez pas le jeu comme ça. Non, nous, mais c'est pour la blague. Cuvette. Go jouer à Call of Duty. Cuvette, caca. Je nous ai pris une quête au cas où, hein, si jamais on s'emmerde. On a pris une petite quête en plus. C'est un cadeau. On est en manque. Oh, lui il a pris tarif, tout le monde lui a tiré dessus. Le pauvre, il a payé pour tout le monde. Il avait rien demandé. Pourquoi il s'est trouvé là aussi? Ah, parce que c'est son boulot. Son boulot c'est garde de la cité. Avant il était aventurier, hein, mais il a pris une balle dans le genou quoi. Prendre un peu aussi. Il était embauché pour ça. Oh lui aussi il a pris tarif. Faites des trucs, tuez mes ennemis, qui m'obligent à consommer des frix. Frix, frix, frix. Moi franchement pour l'instant celle-là je trouve que c'est la meilleure tu vois. Oh merde j'ai loupé ça. Moi non. J'ai perdu mon... I can see the people. Sympathique ce bâton. Oh genre je l'ai tué lui mais il a... Bah il te reste un baril à faire péter. Oh lui il a pris 15 balles. T'es trop lent, Jack. Mais Ah bâtard. Mais... C'est quoi ça? Y'a traîtrise camarade. Y'a traîtrise. Ah désolé de connaître un minimum le jeu camarade. Y'a traîtrise, il a tiré sur les barils. Est-ce que tu avais le baril? Ou est-ce que tu étais à proximité de ce baril? Je pense que j'étais à proximité, il était derrière moi là. Donc dans ces cas-là, je pense que ce n'était que justice. Merci. Tu vas voir, je vais communiste. Pas trop lever, Est-ce qu'il y aurait pas des choses à faire avec ces statues? Ce que je suis en train de demander, si on va pas se taper des vagues à l'infini, parce qu'on peut pas faire des trucs avec les statues. Peut-être. Je réfléchis à des choses, mais le jeu a l'air de nous prendre pour des quiches Lorraine, quoi. Bon, je pense que non. Ah, je suis. Et il te faut combien de balles toi pour mourir? Ramène-moi. Je te ramène. Merci. Bah non, je lui ai tiré dessus, il se passe rien. C'est le fait de tirer sur ses alliés. Moi, j'ai tiré sur une sirène, elle a juste des pop, pas de cinématique. Il y avait un sbire puis il y avait plus de sbire d'un coup. Non mais c'était un tir magique. Ça va être ça. Ah bah on a un gardien de la trésorerie. Mon dieu, le fisc. Le fisc. Le fisc est parmi nous. Nous ne vaincrons jamais ce boss. Est-il français? Si oui, il est invincible. Il est imbloquable. Ah c'est... Oh je prends cher. Je prends cher les petits potes hein. Chacun son problème. En parlant de cher, si jamais je peux ramener du poisson. Ah, je pensais que t'allais me proposer de ramener ton corps, mais bon, bref. Off, ah, effectivement. Parle de cher, quoi. C'est moi que tu veux? Moi qui te suis cher, c'est ça? Ah, y'a pas aussi un jeu de mots avec cher, la rente, tout ça à faire là? Ah, mais j'ai plus de cartouches. Ah là là.
J'ai ouais, plus de cartouches, ça y est, il m'a parlé de sa chair, j'ai plus de cartouches, au secours. J'ai tout tiré de manière précoce. Au secours. Aïe, je me fais t'avancer, aïe. Je crois que je suis en train de me noyer aussi. Philippe Poutou, officiellement candidat, est convoqué par la police. Pardon. Ah, c'est vide. C'est la petite interlude géopolitique. Non. Alors comment il va le gardien du fisc? Vous avez tué ces sbires, oui ou mince? Bah qui me rejette? Ah mais t'es loin. Bon, j'ai fait un sbire de plus. Non mais faudrait peut-être éliminer les sbires avant, non? Mais je crois qu'il ripop, non? Je sais pas. Bah je sens qu'il y a moins de sbires d'un coup sur la map, non? Maintenant que j'en ai tiré deux. YouTube mange 5 fruits et légumes par jour. Hein. T'as remis d'aplomb. Yes. J'arrive au bon moment. On a eu le gardien du fisc. Comme d'habitude, j'ai mis l'avant-dernier coup. Comme d'hab. Est-ce qu'on va être exonéré d'impôts? Aucune chance. Aucune chance. Là, tes impôts, ils viennent de doubler. C'est tout. Ah mince. Du stuff. Ouah, ma stuff. Wow. Alors moi je propose, au cas où je serais un trade, de juste sortir d'abord tout le stuff de la salle, le poser devant, au cas où. Au cas où le jeu serait un peu cruel et que t'aies juste un certain temps pour tout ramasser. On ne sait jamais. On peut pas prendre les... Ramasse tout, jette tout dehors. Tout dehors, vite. Putain, ce serait tellement bien que le jeu nous fasse une puterie comme ça en vrai. Oh, ça sent pas quel pognon. Un certain temps pour... Du pognon, du pognon. On est deux à tout faire, quoi. Il y en a, il est en train de se branler là-bas. Je sais pas comment. Ah, mais c'est juste que je pouvais pas le prendre parce que j'avais le trident. Parce que t'es déjà occupé de la toucher, quoi. On a bien compris. Mais non. On a tout fait à deux, quoi. Comment il est trop beau le crâne. Oui, voilà. Moi j'ai regardé les artefacts. Oh, les loots sont trop cool en vrai. Hein. Carrément, ils sont trop beaux. On peut s'asseoir sur ce trône. Dommage. Ah, et la petite pile de pognon. Je vous le dis, hein, au cas où vous l'auriez oublié, on peut piquer des thunes. Des tas d'or. Ah ouais. Coffre de tribu ramassé. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non, on peut pas l'ouvrir. Est-ce que ça, on peut l'ouvrir? Oui, il y a de la place dedans. Vite, empilons du stuff dedans. Il y a quoi dedans? Il y a un sandwich ou quoi? Vite, ranger du... Mais... Pose-moi ça. Le crâne, là. Dans la boîte. Dans la boîte. Ok, cette boîte est pleine. Celle-là aussi. Celle-là, il en manque. Celle-là, on peut pas l'ouvrir. Celle-là est pleine. Celle-là, on peut pas l'ouvrir. Celle-là, on peut pas l'ouvrir. Oh merde. Bon, bah, le reste, on trimballe à la main. Hein. Alors d'après ce que j'ai compris, on a une statue dans laquelle on peut mettre du... Arthur, faut que tu tires sur le merdier qui est là-haut. Ça. Oh, ça va être long. Après, ah, bah, on peut sauvegarder des loots dans la statue, mais que 5. R stocké. Ah non, 20. On peut en stocker 20. Allez, stocker tout dans la statue. Let's go. Heureusement, Pardy est un génie, il pose le loot et il repart. Bravo, Pardy. Hop. Bah ouais, c'est... Bon, vas-y, je pose du loot, vas-y. Oh là là là, c'est déjà fini. Vite, quelqu'un qui tire. Qui tire vite, qui tire de manière précoce. Ouais, t'es sûr. Ouais, t'es sûr, Pardy, je te juge. Comme cette fameuse nuit où, bref... Je pensais qu'on était un peu plus amis, mais en fait, visiblement... T'étais plus ami avec ton caleçon, quoi. C'était bien plus ami que ça. Rappelons à YouTube que nous ne sommes toujours pas amis et que tu m'as toujours vérifié en fait. Hein. C'est juste imposé de venir aujourd'hui, c'est tout. Je t'ai pris en otage alors que je voulais parler à un vrai ami, et j'ai pas eu le choix. Voilà.
sais très bien que tu peux m'appeler quand tu veux, du jour et de la nuit, je te répondrai. Moi je veux pas que tu me répondes, moi je veux que tu viennes le soir quand je t'appelle quoi. Parce que mes draps sont froids, en fait. Mais... C'est moi l'autre, il s'est pas tiré, c'est quand même un scandale. Mais... Non, le pire c'est que j'ai un tromblion donc... Mais en plus le petit bout il clignote là. C'est quand même simple, le petit bout du dessus, faut forcer un peu dessus pour que ça grandisse le truc mou et milieu, hein, au milieu. Hein, le truc qui est bien entouré, qui est humide. Tu vois, Sorry. Il est con, putain, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va en foutre, hein. Là, je sais pas. Mais j'ai un qu'est-ce qu'on aime, même, de beauf. Bon, et sinon, la suite, Ah mais on se tire d'ici, c'est ça le projet? Bah ouais, je crois que là il faut remonter au bateau. Bah remontons. Pourquoi il y a un bruit de cuvette? Ah, il fait cuvette? Non, dis pas qu'il fait cuvette. Il fait cuvette. Ah non. Il est en train de se remplir. Je retourne. Ah c'est un... C'est pour ça qu'on peut y mettre 20 trésors, c'est une zone de combat infinie, c'est ça? Je sens le mode zombie éternel de Battlefield là. C'est bon pour vous? De Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Les duties. Oh. Mais je pense que c'est fini, non? Bah, je sais pas, moi je suis remonté sur le navire. Sparrow il m'a dit. Jacques Sparrow. Jacques. Salut, je m'appelle Jean. Bah est-ce qu'ils ont dit... Attends, comment on peut voir quête? Non. Ah oui, on peut retourner sur le navire avec la statue. Ouais mais... Ouais. Alors je vous laisse y aller parce que... Est-ce qu'il te dit quelque chose, Jacques? Oui, Jacques. Bonjour, Jacques. Est-ce qu'il te dit des choses, Jacques? Sinon je fais demi-tour. Je Allô me demande si cette nourriture était vraiment fraîche. C'est ce qu'il a dit. Non mais sérieux. Bah c'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Mais ça nous dit pas si la suite du prochain épisode c'est ici? Bah je sais pas. Alors. Écoutez, je vais me promener pour l'instant dans les profondeurs. Au pire je me laisserai mourir. Je vais me promener. Checkez votre table aussi. Bah c'est ce que je viens de faire, mais attends, il y a une sirène violette là moi que je vois depuis le bateau. Ah oui. Il y a la verte, mais il y a une violette aussi. Et sa fumée elle est complètement bizarre. Elle m'intrigue de ouf. Eh bien, j'ai envie de dire, faudrait peut-être y aller, hein. Mais je vais d'abord voyager parce que je vois une épave avec un rocher qui brille, avec peut-être des choses. Si le rocher qui brille, ça veut dire que c'est de l'or. Wouah! Ah, ça sent-il, hein. Est-ce qu'il y a écrit en gros ici c'est la suite? Il y a marqué ici c'est perdu. Ah non. Ici il y a eu du loot mon frère. Ah ça oui. Comment ça? Vous récupérez le loot de la sirène, mais... c'est ça? Oui c'est notre loot en fait. Ok c'est votre loot, ça marche. Ah c'est notre loot. Oui regarde, il y a la même chose. Ah ok. Et faut d'accord. Faut retourner au navire. Bah sinon va chercher le navire. Ouais dans le doute dépêchez-vous plutôt surtout hein. Bah c'est ce que je fais en fait, moi je le rafraîche. Moi je fais un tour du truc mais ça a pas l'air d'être crédible hein, je pense que je vais mourir dans les profondeurs de l'oubli. Enfin les profondeurs des microbes de l'oubli. Ah du coup c'est à dire faut que je remonte la voile. Je vais me balader au sud du caillou qui est où il se passerait des choses mais je crois que... Je crois que franchement voilà. Bonsoir. Yo. Bonsoir. Salut. Qui que tu sois, dis bonsoir à YouTube. Bonsoir YouTube. Voilà. Salut la VOD. Ah. J'arrive, pardon, je monte l'ancre. T'inquiète, je me fais un requin tout seul, comme un grand. C'est joué à Sea of Thieves, non? Ouais. Non. Pipe et jambe de bois. Pipe et jambe de bois. Alors, je me fais agresser. Il y a des sirènes qui viennent m'agresser. Non mais sans déconner, on n'a pas de suite à cette fable. Hein. C'est quoi cette histoire?
Bah si, faut remonter parce qu'il y a une suite en haut, hein. Je me fais attaquer par des sirènes là, en pleine... Ah, je sais à quelle mission vous êtes. Bah si tu sais à quelle mission on est, file-nous un coup de main là. Non mais j'ai vu des mecs jouer cette quête. Je joue pas le jeu. Plutôt que d'acheter Dépêche-toi, ce jeu. Dépêche-toi gros parce que t'es où? Moi là, je suis mort, vous pouvez m'ignorer, hein, je suis mort si jamais c'est moi que vous attendez. Sachez qu'il n'y a pas besoin de m'attendre. Vous êtes déjà rendu à l'endroit où vous êtes dans la partie du navire qui doit que vous devez remonter? Ne spoil pas! Merci. Il ne faut pas se poilaser. Non, non, encore après ça. Oh, vous pouvez vous aider si nécessaire. J'ai non, non, on est encore après ça. La première quête, c'est celle avec le capitaine squelette, là, avec son crâne, là. La deuxième, c'est celle, ouais, effectivement, avec le navire à remonter. Et la troisième, c'est celle qu'on a fait hier. On a fait quoi hier? Je sais même plus ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des choses hier. Pardi, de rien. Ouais, bah jette l'encre. Pardi, tu m'as fait des choses. Non, ça va, t'es loin encore. C'est bon. Je suis encore loin? Je jette l'encre. Ah ouais, t'es loin. Bah, l'encre est jetée, hein. Non, bah relève-la, t'es loin là. T'es bien sûr, vous avez pensé à actualiser le loot, bien sûr. Et tu crois que je fais quoi depuis tout à l'heure? Je suis en train de me battre avec toute la terre là pour. C'est bon. Y'a des trucs qui étaient pas là avant, si. Ça c'était déjà là. Ok, d'accord. Ah ouais, faut ramener le navire là, j'avoue, c'est un peu loin, les gars. Ah désolé. Ça fait un petit moment que j'ai pas navigué, moi, t'sais. J'étais en RTT. Est-ce que c'est de notre faute? Je pense pas, non. Non, mais du coup, c'est pour ça que je présente mes excuses. Mes excuses à la compagnie. Bah, je sens refusé. Voilà. Tout simplement, je pense. Après, le rat de fond de cale peut peut-être approuver, mais moi non. YouTube peut-être acceptera de te pardonner, mais ce n'est pas sûr. YouTube, si tu veux le pardonner, faut le dire en commentaire et puis te désabonner, bien sûr. Du coup, est-ce que j'ai le droit de m'auto-pardonner? Non. C'est qui YouTube? Eh bah, YouTube, c'est YouTube, quoi. Mais YouTube, c'est une seule et même entité, hein, je me pose pas de questions. Ça m'arrange, hein. Tu t'en vas un peu loin, là. C'est mignon, mais le type se tire, hein. Non, c'est bon. Soit il est trop loin, soit il est trop près, hein. Au choix. Au choix? Oui. Bah non, ça va, elle est parfait là. Bizarrement, quand c'est les autres, c'est moins parfait. Parfait, ouais, au mieux j'aurais dit médiocre, mais bon. Mais c'est vraiment au mieux, quoi. Et encore. Oh, c'est vraiment au mieux, hein. C'est, on a tout poussé, j'ai tout donné, hein. J'ai pas mieux. Hein. T'as tout poussé? Ah, j'ai tout poussé, oh. En haut. Ça va, t'as pas la gastro? Non, ni la prétérite. C'est cool. Et la ch'touille? Ah, toujours qu'elle mouille. Ah, parfait alors. Et la ch'touille? Et la ch'touille? Alouette. Pardon. Pirouette et cacahuète. Et la ch'touille sur tes couilles. Et la ch'touille pour tes couilles. Je te rappelle qu'il y a tout tube, hein. Ouais. Je serais gentil de rester poli avec ton tube, hein. Ils ont l'habitude d'avoir des vidéos extrêmement de qualité. Courtoise. En plus. D'autres qualités d'Aria. Non, maintenant faut prendre l'accent russe. C'est l'accent russe qui est à la mode. D'Avoyet, général. C'est bon, Yair. Il y a un drôle de nuage par ici qui nous dit le monsieur. Vous avez regardé autour? Avant de vous exciter? Vous êtes en train de filmer en... Si je t'ai demandé de dire bonjour YouTube, c'est que oui, je suis en train d'enregistrer. Ah, excusez-vous, j'avais pas compris. Ah non, tu s'excuseras pas, non. Bah, si je te demande de dire bonsoir ton tube, c'est que on est sur ton tube. Hein. Ton tube à essai, hein. Donc tu seras bon pour aller mettre un pouce bleu, un commentaire extrêmement agréable, du genre comment ça se fait que cette vidéo n'est pas montée 3 fois, en mode hypercut ultra rapide. Va au ouest sud-ouest. Faudrait peut-être tourner légèrement à droite là. Moi je dis ça, je dis rien. Ouest sud-ouest. Ouais. Ouais, moi je dirais plutôt nord-ouest. Après vous faites ce que vous voulez. Hein. Nord-ouest ou ouest sud-ouest? Je sais pas, mais moi je serais vous, je regarderai au nord-ouest et dites-moi si j'ai tort. Ouais non, il y a un truc au nord-ouest. Ouais, j'ai peut-être tort, hein. Mais j'ai pas le marteau. Donc du coup, j'ai une petite question. Si je dis le mot qui commence par pep et qui finit par si, techniquement ta vidéo est démonétisée? Pepsi? Non, c'est juste un placement de produit.
façon voilà. de produire. Oh. Gratuit. La grande spécialité de la boîte, évidemment. Mais vendu. Ouais, j'ai sorti 50 feuilles, ça y est, je crois que j'ai bu trop de rhum. Au secours. Ah ouais, tu m'incites à moi aussi à rouler ma clope. Vas-y, hein, je t'accompagne. Oui, sauf que moi, c'est des clopes que je roule. Oui, bah moi aussi, c'est une clope que bien je sûr, roule. Hein, bien sûr. Oui, oui. Non, mais ouais. pour YouTube. Bien sûr, bien sûr. Depuis quand on est obligé de brûler et d'émietter son tabac, que le tabac est vert et qu'il y a de la poudre blanche dedans. Wouh. Alors ça, c'est depuis les retombées de Poutine, tu sais, quand il a lancé ses missiles. Ah, ça doit être ça, hein, je crois. Il y a une retombée. Il y a personne à la barre en fait. Mais si, regarde. Le tabac a pris un peu devient une barre. Ouais. Alors moi, je suis au bar, à défaut d'être à la barre, mais. On se tape des barres. D'ailleurs, hein, l'un truc que YouTube ne connaît pas, qu'on appelle globalement. Oh, un quinquin. Avez-vous vu le quinquin? Bah, il y a la musique depuis tout à l'heure. D'accord. Le type qui travaille pas là, ce serait bien que tu te trouves un boulot et que t'achètes Softies, voilà. Pour nous. Et que du coup, t'es un vrai PC quoi. Faut juste que je claque 1000 de balles pour un PC. On se fait attaquer. Ouais, c'est ça. Juste ça. Et Je suis expulsé du navire. Et quoi il sert lui? Je me suis même fait attaquer par un requin, je me suis fait expulser du navire, mais je me demande vraiment à quoi il sert. Ah bâtard, il a fait 3 trous quoi. Bonsoir, serais-tu ukrainien? T'as la mode ukrainienne ça? Ça a l'air raciste ce qu'il va dire. C'était vraiment à notre droite par contre, du coup hop, on tourne un peu. Ah bah là, moi je suis en train de réparer le bateau sinon on coule. Hein. Alors. La question c'est, je n'ai pas de planche. C'est bon, j'ai réparé, hein. Je t'ai pas attendu. Mais heureusement. De toute façon, j'étais en. Comment dire, qu'est-ce en voyage d'affaires. Qu'est-ce que tu fais là, toi, comme ça, là? Il y a un requin droit devant. Ah, il a peur. Peut-être qu'il faut tuer le requin, oui. Faites ce que vous voulez, mais moi, il est pas blanc, j'en ai rien à cirer. Tu m'occupes des trous? Non, j'y vais. Ok. Quelle animosité! Et je ne parle pas parce qu'il y a un requin dans l'épave. L'animosité, est-ce que c'est vegan? Vous avez 2 heures. C'était ta balle. Alors déjà, je pense que c'est un concept avant tout d'être une... D'être... Enfin, on peut pas l'affilier à une idéologie parce que c'est un concept de... De comparaison à un animal, justement. Tu compares quelqu'un... Tu compares avec le sauvage! Moi, je pensais qu'être un animal c'était un état naturel. Je pensais pas que c'était. Je sais pas, il y en a qui sont végétal, puis il y en a qui sont animal. Après. C'est des mondes, oui. J'ai pas fait bio. Tu risques d'avoir le groupe Black Monster. On s'est fait bouffer le cul. Je m'occupe du cul. Non, je crois pas qu'on soit fait bouffer le cul, je crois qu'on est dans une tempête. Non, c'est vous fait bouffer le cul. Très bien. Donc on doit avoir 2 ou 3 trous à l'arrière. On a 3 trous à l'arrière. Et bah ça me fait 2 trous de plus dans le derrière. Il y a un bateau à bâbord. Je manœuvre dans des endroits un poil hostiles. Ouais, c'est pour ça que je t'ai levé la voile avant. Excellent. Décale-toi, hein, vraiment. Hein. Non, c'est bon, ça passe. Parce qu'après, faut resserrer. Hein. Tu vois un peu mieux là? Pas grand-chose, mais heureusement, je navigue au souvenir. Là va falloir que tu tapes un peu plus sur... On est à fond mec. On peut pas faire plus. Passe sur la droite. Bien sûr. Reste comme t'es, y'a un caillou juste devant. Ouais, y'a surtout une proue qui dépasse. Si vous voulez un autre membre d'équipage, y'a Ava hein. Redresse. Ça redresse. C'est quoi ça? Il y a une grotte droit devant. Hein. Ouais, tribord. Oh, tu regardes Banzai. Banzai. C'est mon deuxième prénom. Il y a 20 en autre membre d'équipage, ouais, mais on est full là. Vous êtes 4? On est 3. Sur un brick. Du coup, on fait quoi? On se jette là, c'est ça? Attends, on va attendre que la mer se calme. Non, bah non, trop tard. Ah non, mais tu peux enlever.
qu'on aille vers le. Vers le plus possible vers le ponton, là où la mer est calme. Ah. Ah, c'est drôle. Je peux juste faire comme si j'avançais, mais en fait j'avance pas. C'est rigolo ça. Non, faut aller. Ah ouais, tu veux juste aller dans la petite eau calme là? Ouais. Alors regarde, on y arrive tranquillement. Vas-y, tu peux têcher ton encre. Non. Mais j'ai fait de mon mieux pourtant. Hein. À l'attaque. Je vais leur jeter un seau d'eau à la tête. Attendez, j'ai des trucs à poser moi dans cette cale. Ouais, y'a pas besoin de planche. Ouais, y'a pas besoin de stuff. Ouais, c'est bon, on peut y aller comme des touristes. Y'a peut-être des trucs sur cette île, hein. Nudiste, tout ça. Est-ce qu'il y a des trésors? Non, puisque je n'y suis pas encore. Oh mon trésor. Normal, j'ai bien touché l'île. J'ai touché l'île. Et je suis devant l'entrée là, si jamais. Ah, justement, c'est ce que je cherchais, mais. Ah, fichtre. Mon Discord ne veut pas ouvrir convenablement. Et Jacques. Jacques, c'est par où? Ah, il utilise sa fameuse boîte à musique. Et vous êtes des enfoirés de faire défiler tout le jeu sans YouTube. Et sans moi. Ah, c'est pas moi. Et je savais pas, moi. J'ai lancé la cinématique, en fait. J'ai pas fait gaffe. Parce que j'avais pas vu qu'il était là, mais j'ai trouvé un moyen. Je suis en train de faire tout le tour de l'île. Hein. Je vous cherche, mais je vous trouve pas. Mais c'était là où il y avait le bateau. Hein. Vraiment, on peut pas faire plus con. Bon, et plus court. Tour. Tu retournes au bateau. Et c'est sur la bâbord. Le bâbord. Ou en tout cas en bas bord. Ouais, un coin du bateau quoi. On est à gauche. On peut profiter un tout petit peu de cette superbe musique. Je vous prie. C'est tellement beau. Bon, bah j'ai tout raté. Ma première vue, c'était très beau. Ouais. Je get blocked. Ah. There's a resting place just up here if you need to satisfy. Mind your step back. It's slimy, treacherous. Almost near the Commodore. Ça vous apprendra pas d'attendre. Et à pas attendre ton tube. Ouh, ça va vite. Waouh!
super vitesse. Ah non, pardon, je me suis trompé de jeu. Ah, t'es pas sur Beyblade là. J'utilise la force centrifuge de l'âme des cartes. J'utilise, je crois que j'ai trouvé un bateau. Centripète. Centripète. Ça fait beaucoup de tripettes. Je veux bien ce bateau de là. Moi j'aurais l'air classe. J'ai trouvé un boulet et je parle pas d'Arnaud. Pardon. Wow. Par contre, il y a du boulet de canon ici. Hein. Vous pouvez recharger vos poches. Hein. C'est bon, je suis plein en boulet. Rident des sombres marées découvertes. Qu'est-ce que c'est? Ah, il est classe, le métal. Ah, j'ai même pas, je peux même pas rouler ma clope tranquille quoi, vous êtes en train de rush bisouka bruyette là. J'ai rien rush du tout là. Sérieux, j'ai juste continué. Hein. Il va mourir l'autre. Bon, en fait, mon Discord sur PC a complètement lagué, je vois plus les messages. Tu peux m'envoyer un message, Knarf? Non, YouTube s'en fout. Ok. Un plaisir. Tu m'as envoyé un message tout à l'heure et ça m'a fait bugger. Je me dis, ça se trouve, tu vas renvoyer un message. YouTube aimerait écouter ce qui se passe. This mate is the inner sanctum of the most vengeful creature to sail the seas. Ouais, même sur les serveurs, je peux plus voir les messages quoi. Ça fouette. On va faire la lourde techno dance, la de l'eurodance, tiens, vas-y. Compose-nous un petit son par-dit. Non mais tu rigoles, mais il y a un son à jouer, hein. Il y a une partition devant lui. Bah ouais. Ah, ok, mais je Arthur, savais pas moi. Tu es musicien, oui, débrouille-toi. Oui. Mais non, mais là c'est Pardy là. Oui, Pardy, dégage de là, laisse faire le Zikos là. À de ses sters. Alors. Et de ses sters, c'est surpayé. Comment ça fonctionne? Voilà. Débrouille-toi. Ah. Ok, d'accord, attends. Tu peux pas s'asseoir là-dedans? Déception. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour regarder un pote faire le con? Non, je suis déception. Ok, alors attends. Le mec est vraiment musicien, il a vraiment ce niveau-là dans la vraie vie. Wow. À part qu'il fait des fausses notes. Bon bah clope suivante, hein. Je vois que j'ai le temps. Bah allez, faut jouer les notes, hein. Alors, non. Attends, tac. Il va nous faire le petit son des goals de foot américain. J'espère que t'es voilà, pas en train merci. De jouer manette là. Non, je suis en train de jouer clavier là. C'est juste que c'est compliqué. Attends, alors attends. Ça fait c'est quoi compliqué, ça fait hein. Comme être un vrai musicien.
Mais non, mais c'est juste que c'est le nombre de touches. Bien là, sûr, je c'est juste pas, que. Ouais, bah, c'est... Comme sur une guitare, il y a plusieurs cordes. Hein, c'est chiant. Mais dans un piano aussi. Oui, également. Mais on utilise des touches. Attends, ça fait quoi ça fait? Go on then, give us a tune. Et voilà. C'est bon là? C'était vraiment ça? Alors attends, sinon je le refais. Non, tu le refais, ce qui me semble que tu dois finir sur la note numéro 5, tu dois avoir 8 notes. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Toutes les bougies se sont allumées. Je fais la musique d'ambiance là. Ah. Il se passe des choses. Il y a un mob. Il y a un mob dans l'eau. Je savais pas que c'était aussi compliqué d'être artiste. T'invoques des mobs. Qu'est-ce que tu joues mal, hein? Pardon? Qu'est-ce que tu joues mal? Merci. Je prends toutes les critiques constructives. Bah, tu ferais mieux d'arrêter de jouer. Alors attends, si je fais un Alt F4, ça fonctionne? Non, de la musique. Continue à jouer au jeu mal, ça c'est moins gênant. T'as l'habitude? Sauf que tu t'en veux moins, quoi. Oui, voilà. Mais il a raison, t'as raison de me dire d'arrêter. Parce que là, du coup. Là, je suis en train de poser mes RTT. J'ai pas dit arrêter de travailler. Ah, parce que la musique, c'est pas un vrai travail, monsieur. Bien sûr. Ça serait. Hein. Les musiciens gagneraient leur vie en France si c'était le cas. Est-ce que les personnes qui font des... comment on pourrait appeler ça, je sais pas, les personnes qui travaillent à mi-temps, par exemple, qui ne gagnent pas leur vie, ne font pas des de travail. Pardon? Ça s'appelle des femmes. Non, pas forcément. Et elles travaillent principalement au foyer. Ah bah si, en France, statistiquement, c'est ça. Il y a aussi des immigrés. Ouais, alors eux, ils travaillent un peu selon la déclaration. Eux, ils travaillent entre le mi-temps et le sur-plein temps. ça dépend de la déclaration. Ça dépend des possibilités linguistiques de tout un chacun. Les possibilités de paperasse. J'ai plutôt envie de dire de l'honnêteté patronale, mais bon. La quoi? Hein? J'ai mis deux mots dans la même phrase, je viens d'apercevoir que c'était pas... J'ai eu mal. Ah, c'était un oxymore là que tu nous fais là. J'ai eu mal à mon camarade syndiqué qui était à l'intérieur de moi. Moi je dis t'as dit les termes. Les termes ont été dit. Le Lénon sera fier de... Mais je me suis fait propulser. Ah mais on peut utiliser les canons. Bah oui. Bah oui. Pourquoi tu crois qu'il y a 1000 boulets sur ce bateau? Ah tu sais, moi je suis un boulet donc forcément... Ah il y a 1001 boulets. Mais toujours pas pour faire joli. Ça fait quand même beaucoup de boulets hein. Tout du moins ça en fait au moins un trop quoi. Je suis désolé de te le dire mais... Non mais c'est bon. Je l'ai dit hein, j'accepte les critiques constructives. T'as vraiment une critique constructive si tu le veux. Si tu le vis bien tant mieux quoi. Ouais voilà c'est ça c'est... Je dirais le mec qui se fait racketter dans son goûter à l'école et qui fait moi j'accepte les contraintes constructives quoi. J'accepte ma condition ouvrière. Et ben
pendant ce temps-là, le rat du navire se fait très silencieux. Alors, le rat du navire ? Allô ? Ah oui, c'est ça. Allô ? Allô ? Il y en a quand même deux qui ont répondu, hein. Mais je cherche les munitions sur ce navire, j'en trouve pas. Elles sont bah, juste là où se trouve la Connard Funk Production. T'as le mât. Renommée augmentée. Tu l'as trouvé ou pas ? Ouais, c'est bon, ça y est, j'ai. C'est bon, il a trouvé. Il y a deux bois-boîtes, hein. Il a trouvé les babales. Il a trouvé la babale. Ah oui, il y a des méchants à gauche. Bah ouais. Bah, feu sur les méchants. Attends. À gauche. Il y a des méchants partout. Ah bon ? On a surtout vu dans l'eau, j'ai pas fait gaffe. Ah bah maintenant ils sont sur nous. Méchants sur le pont. Oh là, les statues elles sont pas contentes. Ouais, ah mais tu sais, les statues elles sont jamais contentes, hein. C'est vraiment... Elles peuvent pas rester à leur place. Celui-là, tu permets. Wow, 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 wow. Je crois que j'ai un peu de lag. Une vague impression de lag. Elle est très vague. Décidément, aujourd'hui, ma connexion sera été une histoire. Hein. C'est une fable. Oh, j'ai bien l'impression. Hein. Pourquoi je me fais batter ? Qui me batte ? Ah, pourquoi je me fais... Ah, parce qu'il y a des gens encore derrière nous. Ah, je suis mort. Ah, quelqu'un peut réanimer le mort ? Il est au niveau du... Il est au niveau du... de l'arrière. Je suis mort aussi. Ah merde ! Tu es tout seul. Il me réanimera pas, il va me laisser mourir. C'est bon, il m'a réanimé. Personne ne me réanimera, vous allez me laisser mourir. En partie, il réanime pas, il réanime. Ah, ça c'est mon mec, ça fait plaisir. Ah, pff, je suis retombé instant, j'avais pas eu le temps de manger un fruit. Attends, il me faut. Il faut que je trouve 5 fruits et légumes par jour. Non, ça le fait pas. Assir, les aristocrates, on les aura. Les aristocrates. Ah, les aristocrates, tra la Assir. Les aristocrates, on les... J'ai plus de munitions. Moi non plus. I want to touch my munitions. J'ai quelque chose qui s'appelle la vie et je n'en ai plus beaucoup. Ton temps est si compté que ça ? Oh, je sais pas, j'avais un peu d'espoir. Ou oh, attention là, ça cisaille là. Charge des canons. Allez, j'ai décidé, ma vie c'est de vous charger des canons. Let's go. Il y a des fruits aussi si vous voulez sous l'eau. Les fruits ? D'accord. Ouais. Je vais aller en chercher quelques-uns. Puis il y a de la baston aussi sous l'eau. Du rhum ? Ah. Et du rhum sous l'eau ? Sinon je me tire plus. Non, y a une sirène. Il y a de la baston sous l'eau. Feu, feu ! Oh, un boulet incendiaire, tiens. Ah, effectivement, ouais, il y a okay, quand même... Il y a quand même pas mal de fruits, en effet. Les noix de coco, c'est bon. Prenez les noix de coco. Tu n'incanteras pas ton machin. Il y en a des canons sur ce bateau, hein. Le chef des sirènes, 20... Oh, il fera un bon bateau 10 joueurs, ça. Il faudrait dire deux guildes dedans. Si seulement ce jeu avait le concept de la guilde. Ah ouais. Je pense que ce serait un peu trop pété, non ? Ah, tu vas charger tous les canons, hein. Pareil, non, comme vous voulez. Au secours ! Il est bien, par contre, l'angle de tir est pas ouf. Aidez-moi ! Alors, faut tirer, Arthur, faut tirer, Arthur, faut choisir un canon, faut tirer. Je sais pas où ils sont. Au secours. Oh, j'arrive. Les canons en bas sont inutilisables. Merde. J'ai pas regardé d'ailleurs cette cale. Peut-être des choses.
Désolé Pardy, j'ai pas été capable de te réanimer. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a pop sur le pont. Il y a des trucs qui ont pop sur le pont. C'est qu'une impression. On est surtout vachement buggé hein. Et que les crabes ils ont rien à péter. Coup de pelle. On veut pas de votre monnaie navire. Bah pourquoi moi j'en fous. Les gros faut leur tirer dans le caillou au milieu. Ah le caillou. Faites tous pour les tuer plus vite mais. Ah non je suis mort. Reviens fonctionnaire. Merci, camarade capitaliste, offrant nos services à notre patron, slash président. Aïe! Au crabe le gros! Au cake le gros! Bon bref, vous avez compris le mot. Bon, j'ai pas dit assez de rhum je crois. Non, je suis tombé sur les boulets! Mais quel boulet? Dans l'eau. Non, je suis mort, je me suis pris un truc. La vie qui me reste. Mais t'es mort de où? Derrière toi. J'ai. Non. Welcome back, dude. Merci. Ah, je vois, ça se sauve entre vous, mais moi, je peux mourir. J'ai pas trouvé ton cadavre. Battez les steaks, quoi. Très occupé, je suis en train de gérer l'agro. C'est pas bien de parler de moi comme ça. Oula, j'ai un seul moment. Je vais pas tarder à passer l'arme à gauche. Attends, t'es où? Tu veux un fruit? Encore mort. Encore mort. Utile. Tout ce qu'on aime ça. Symphonie du chagrin déverrouillée. Hey, y'a un truc là-bas. Hein? Non, j'ai cru voir un truc. C'est une petite île. Allez. Est-ce qu'on a fini là cette partie? Est-ce qu'on va sortir vainqueur? On avait gagné de nouvelles pages. Il t'appartient à tout jamais. Nouvelle symphonie? Je pense, hein. On a un Zikos avec nous? Qui sait lire les partoches ou pas? Arthur, t'es décédé? Je connais pas les touches de piano. Oh, c'est vénère, il y a un...
Il y a un mec qui a balancé un article. Le titre de l'article, c'est Pourquoi autant de sympathie envers l'Ukraine alors qu'ils sont blancs? Alors qu'ils sont quoi? Ils sont blancs. Sympathy for the devil. Alors qu'ils sont blancs? Oh la vache. Mais de toute façon, les dérives, tu les as des deux côtés, hein. Ouais, non, mais. Et là, après, on parle pas de racisme, tu vois. Alors attends, il t'appartient à tout jamais. Mais là, parce que justement, là, c'est. Doré. Ah oui, c'est chiant. Bien, je voulais Oui, gérer c'est. ça. Je suis pas musicien, débrouillez-vous. C'est une note, l'autre note, l'autre note. Débrouille-toi avec ton bloc-notes. Oh, mais c'est bon, hein. En fait, c'est la même, je crois, non? Je sais pas. Ok, on part d'entre Ah, que là. quelqu'un me trouve la suite. YouTube s'ennuie. Oh, attends. C'est pas Divertissez ouf. YouTube. Apparemment, d'en apprendre plus sur les frères. Mes frères, bien t'as vu? Il a l'air concret ce qu'il fait, le mec. Est-ce que le niveau d'eau a augmenté de suffisamment pour que ce soit devienne intéressant ou. Oh, c'est pas une énigme musicale, c'est les mêmes notes. Bah, let's go. Ah! YouTube te regarde, YouTube te juge. Ah, au passage, Knarf. Alors attendez, au passage, je crois que. Moi, il y a une énigme qui me paraît être une énigme. Qui n'en est pas tout à fait une. Veuillez patienter après la pub. Je crois que j'ai vu ça sur la carte. Je pense que c'est mon truc. Non, je peux pas récupérer ça. Oui, vas-y, je t'écoute pendant que je réfléchis. J'aurais besoin de ton aide aussi pour une chose qui est somme toute complexe et casse-couille, qui est sur Tabletop Simulator. Ah, table sextop, connais. S'il y a moyen de m'aider pour faire une map ou trouver une map adéquate des États-Unis. Ou au moins du nord de l'Amérique. Une Trouver ça, map, c'est problème. juste une carte des US? Ouais, mais tu sais, genre qui a quand même un minimum de relief, tu vois, avec des couleurs. Trouve une qui te plaise sur internet, tu la télécharges et on pourra l'intégrer dans Tabletop. Essaye de prendre la maximal definition. Ok, Genre celle qui est genre en 8000 par je sais pas combien. Le Alors, plus possible. c'est quoi la fable du flibustier? C'est la première fable de ses aventures. Ok. Alors en fait, moi, il y a un truc qui me perturbe. Je sais pas si ça vous parle aussi. Mais à l'arrière de ce navire, figurez-vous qu'il y a une statue qui est censée maintenir quelque chose dans ses mains. Oui. Et j'essaie de chercher quoi? Peut-être que c'est le collier. Le quoi? Sûrement le collier. Collier Non, d'eau. ça doit tenir très probablement une lanterne ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez vu cette statue? Ça Là. porterait soit, je sais pas, un gros pot de confiture. Mais je suis pas sûr que ce soit ça, c'est pas très à thème. Soit une lanterne ou quelque chose comme ça, voyez-vous? Voyez-vous? Moi j'ai Est-ce pas qu'il y a vu. quelque chose dans les profondeurs qui me parle? Alors il y a des tonales dans les profondeurs, mais d'après ce que j'ai compris, il y a que du loot dedans, c'est ça? Bon, mon jeu il a un problème, j'arrive. Ah. Ah non, ne fais pas ça. T'as fait ça? Non, t'as pas fait ça. Ça vous a quitté? Bah, t'as quitté. Mais. On a perdu le loot? Non, non, ce que ça veut Non. dire, c'est que lui, pour revenir, ça risque d'être très, 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 très. Compromis. Ah, parce que quand tu quittes, tu peux pas revenir après? J'espère pour lui que si. J'espère pour lui qu'il y a un point de sauvegarde quelque part, parce que sinon. Sinon, c'est compromis. Moi, le truc qui me perturbe, c'est qu'on est à nouveau sur un système de statue. Voyez-vous? Là, je trouve une statue. Ah, mais je crois que j'ai trouvé la suite. Retourner sur mon navire ou reprendre la fable du flibustier. Non, je crois que j'ai trouvé la suite. T'es allé où? À l'arrière du navire?
En fait, il y a une sorte de canal, attends. J'arrive. Ouais, tu passes derrière le navire, quoi. Ouais, derrière le navire, il y a il y a une sorte de grotte, enfin tu sais, un couloir avec dans lequel, par lequel tu peux passer. Ouais, écoute, j'arrive. Ouais, c'est le cul du navire, ouais. J'arrive. Je l'ai vu partir par là. Normalement, il y a une statue, tu devrais pouvoir revenir. Il y a une statue sur le bateau ? À côté du bateau. Ah, il y a des sirènes. Je te laisse te débrouiller avec tes zouz. Moi, je vais faire des choses intéressantes, hein. D'accord ? Je crois que je vais mûrir. Ah non. Reste un enfant. Ah, c'est fermé. Ah, la catastrophe, je peux pas voir Jean. Je l'ai vaincu, mais je suis mort. Je suis mort en... Tu ne l'as pas vaincu. C'est toi qui l'as tué ? La chef des sirènes, oui. Okay. Une balle de snipe. L'autre est toujours devant toi. Bah, j'ai reprendre la fable du flibustier. Ouais, bah, reprends ça. Fais ça. Clique, okay. Salope. Comme si c'était League of Legends, clique. Oh, j'ai plus de balles. Oh, j'ai pas de balles. Moi non plus. Donc normalement, je devrais être avec vous là, c'est ça ? Ouais, j'entends tirer, c'est ça. Ah bah j'étais bien alors. Parce que moi j'étais venu ici, mais j'étais pas sûr. Alors par contre, Tabletop et OneDrive, c'est ultra casse-couille parce que OneDrive enregistre toutes les images de Tabletop. C'est des choses qui arrivent. Oui, mais je suis obligé de les supprimer une à une. C'est ultra casse-couille. C'est pour ça qu'en fait, j'ai aucune place pour beaucoup de choses. C'est à cause de cette merde. Ah non, non, je vais pas retourner sur mon bateau là. Oh là là là. Oh là, fais pas ça le jeu. Alors. Je me demande si c'est pas de là d'où on vient. Non, c'est rien, il y a une échelle et tout là. Faut grimper. Mais il faut arriver à sortir de là. Regarde, on dirait qu'il y a des trucs à gravir, ça doit être par là, je pense. À gauche, ouais, mais j'ai pas vu. Enfin, peut-être en montant sur la statue, mais. Je suis pas convaincu. Ou peut-être dans les profondeurs. C'est pas... Parce que je vois que les profondeurs sont très aménagées. Je vois des aménagements dans les profondeurs. Il y a peut-être des choses. Ah oui! Ah là, il y a une porte. Regarde. Hop là. Hop là. Hop là. Ah. Des petites cordes. Des petites cordes. Oui. Hop là. On adore, Médor. Alors attendez, je vous envoie la suite. Hein. Bougez pas. Hein. Hop. Hop. Mais, c'est levier. Oh, il y a un levier. J'ai activé un levier, est-ce que vous avez vu quelque chose bouger ? Oui. Non, je plaisante. Mais non, mais arrêtez, j'ai vraiment activé un levier qui était un corail tout pété là. Il doit se passer des choses normalement. Arrêtez, j'ai vraiment fait ça pour vous là, pour la commu, pour le gaming. C'est que j'étais pas dehors quand. Oh, Pardi non plus, je suppose qu'il est en train de redémarrer son PC. Oh, mais moi, quoi vous servez juste... là ? J'étais juste en train de remonter au moment où t'as dit ça en fait, donc Ah, les gars, il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur ? Ouais, oh oui ! Là-bas, là. I can see dead people. Salut Sparrow, on arrive. C'est descendu, c'est ce bon vieux Jack. Jack, c'est Sparrow. Est-ce que je peux voir le levier d'ici ? Non, aucune chance, hein. Ah, il est vachement... ok. Attends, je vais voir si je peux lui mettre une balle de là où je suis. Mais je crois qu'il y a aucune chance que ça arrive. Hein. Oula, oula. Ça bouge. Ah, mais il a... D'accord. Il a cut la fontaine, on peut passer. Non, non, j'ai rien activé. Poursuivre Pardi. Schnell. Wouah. Prendre des balles. Ah, on doit avoir un petit truc de sirène là, non ? On doit avoir des petits tags là, je reconnais ça. Ah
pas le bon truc. Il manque un cœur de sirène. Ok. Trouver un cœur de sirène. Il y a un bouquin. On peut pas le lire. Bah il est lu par Separo, il y a une cinématique. Ah, listen to this. For seven sunsets, the sirens pursued us across these cursed waters, swaddling our ship in their song. The sound was beautiful, hauntingly so. But the carvings I found have shown me the truth. Theirs is a song of sorrow for all that they have forgotten. Their home, their kin, their past. The melodies of these truths have slipped into shadow. Replaced long ago by lamentations of the lost. No wonder Jones controls the sirens. His song is also one of sorrow for things past. I don't suppose to see a Zorna, but the Calypso. Happened to mention it to you, but they used to be close. He served 10 years aboard the Dutchman just to spend one day at her side. When she didn't honor her part of the bargain, well, let's just say it made him the thing he is today. Right, that's enough of that. This place is full of forgotten treasures. There might be something we can use inside one of these wrecks. Ah, derrière, regarde. Ici, là. Ah, ok. Oui, levée okay. Des bâtons. Full levée de bâtons. C'est bon, là? Non, full levée bâton. Non, celle-là, tu peux pas la bouger, il n'y a pas de, de cœur. Bon, écoute, je vais essayer de la taper, mais... Tu me tiens au jus quand t'as fini? Yes. Ah, il faudrait lui mettre un cœur pour pouvoir la manipuler, je crois. Où est-ce qu'on peut trouver un cœur? La main qui est étendue à travers un genre là, par exemple, voilà. D'accord, ok. Et du coup, tabasse-la. C'est bon. Il faut du corps. Un bon exemple de vie professionnelle, ça. Tabasser les femmes. Ouais. Vraiment un modèle de société, ce jeu, avant tout. Avant. Une digne représentation de la Bretagne. Excellent. On aime la Bretagne, les gars, calmez-vous. Ah bah on adore. Moi j'adore. Le chouchen. Ok. Le bord de Michel. Calme-toi Marcel. Pardon. Je pense qu'il parlait pas de ce Marcel là. Encore un peu stop. Parce comme que ça? Moi ici j'ai une... Stop. Parce que moi ici tu vois j'ai une... Ah mais en fait j'ai arrêté mais elle redescend toute seule. Ok, je vais te remonter au max et puis tu vas te débrouiller, ok? Et tu le fais comme tu le sens. Voilà, t'es remonté au max, mon poulet. Par ici quand tu veux, let's go. J'ai raté. Je suis une déception. Ok, là, on est là. Oh, faut que je fasse tout le tour. Je suis madé. Elles sont où les statues? Ah nice, bien vu. Alors celle-là, c'est celle-là. Ah mais ils montrent toutes les statues à YouTube, YouTube voit rien, montrez-toi à YouTube, arrêtez. Essayez de donner un peu d'intérêt à cette vidéo, ils regardent déjà de la pêche depuis assez longtemps comme ça. Sans déconner, mais YouTube, non, mais... YouTube ça doit faire 12 heures de pêche qui se tapent, hein, donc... T'as au moins. Vu son dessin ou pas celle-là Quel dessin? Montre leur dessin YouTube. Oui, là, le gars, il y a un dessin là YouTube. Et puis, il semblerait qu'il manque la chaîne de son. Il y a un dessin dans sa main droite. Mais non, justement, il y en a plusieurs des statues. Ah, et il y en a une là-haut. Est-ce que vous regardez où je vise ou pas? Ouais. Voilà. Attends, est-ce qu'on pourrait me monter, s'il vous plaît? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bouge pas. C'est parti. Mais non, mais tu peux viser, tu peux tirer dessus au loin. Peut-être pas. Rappelle-toi qu'il y a une statue à un moment donné, j'ai dû la douiller. Alors il faudrait mettre. Ok, il y a une hitbox invisible. Le jeu ne permet pas de faire ça. Ouais, c'est ça. Ah, mais attendez, j'ai peut-être une des statues qui est en bas, non? Alors, celle-là? Non. C'est vraiment. Il faut celle avec la chaîne qui a le bras. Attends. Celle-là, c'est bon. Elle est en hauteur, là. Et celle désolé, avec la chaîne. Désolé, YouTube. Hein. Désolé.
Je vais aussi vite que je peux, YouTube. Oh, mais c'est fermé en plus, mais putain. Celle avec la chaîne, elle est à mi-hauteur. C'est bon, non? Non, ça c'est moi qui ai tiré sur un truc. Eh, mais le bruit a l'air bon, hein. C'est parce qu'en fait, sinon la porte du Kraken elle se referme. Enfin, de David Jones. Celle-là elle est en que bas. Que plus ou moins Kraken. Ou alors un grand ancien, de David le Poulpi. Donc moi je vois une statue, vous les voyez où les autres? Alors ça c'est en bas, c'est bon. Ok, j'en vois une là, celle qui s'ouvre. Tutut, ok. Et l'autre elle est où? La troisième statue? Celle-là normalement c'est en haut. Have you seen the last statue? Alors peut-être qu'elle est en bas. Non, en bas la seule statue qu'il y a c'est une statue de TP. C'est bon, attends deux secondes. Hop. Vas-y, sonne la cloche peut-être. Bah faut juste que tu tires sur la clarinette là. Que c'est bon. Voilà. Mais tu peux montrer à YouTube la dernière statue qu'on ne voit pas? Elle est là. Alors attends, faut venir me voir. Et ouais. En fait, elle est cachée derrière. Regarde à gauche. Elle était cachée à gauche derrière. Regarde à gauche. Ah oui, je la vois cachée derrière les trucs violacés là, les coraux. Ouais, les coraux. Rien à voir avec les coraux, évidemment. Ah ouais, bien vu. Bien vu, Jack l'aveugle. Tiens, regarde. Je fais monter pour ça, ça me fait plaisir. Ça me la remonte. Wouh, ah oui, ça a coupé la... non. Non, non YouTube, ça m'est pas arrivé. Non YouTube. Non YouTube, pas à moi, pas comme ça. Mais pourquoi? Alors, YouTube, coup, dit quelque que chose, ça... fais quelque chose YouTube. Est-ce YouTube la me laisse pas en galère. Mais est-ce que la porte en bas est ouverte? Je sais pas mec. Il y a une grosse porte normalement. Je sais pas mec. Regarde, je sais pas si t'as vu, mais je crois que le niveau de... Ah tu veux dire en souterrain? Ah oui, attends, je regarde. Non, c'est verrouillé. Le cœur de Calypso est verrouillé. Ou de David Jones, je sais pas. Enfin, c'est un peu pareil, en fait. Parce que j'ai envie de dire, philosophiquement parlant, est-ce qu'il y a une différence entre le cœur de Calypso et celui de David Jones? Ah, mais... Oh, c'est encore fermé, mais... Mais... Hein? Ouvre-toi. Là. Et alors, si j'ai bien compris, il faut que je remonte la passerelle et que attends. Je saute. Pardon. Mm-hmm. Il faut mettre tout le monde en haut là. On va dire que je dois faire ça, ok? Tout le monde en haut et après surtout, il faut sonner la corne. Et surtout là, mes potes justement. Et surtout vous me le direz pas. Ah merci. Parce que vous êtes des super potes vraiment, donc merci. De quoi? Merci les potes. Merci. Et il faut souffler dans la corne. Non mais je fais comme d'hab, je me débrouille tout seul, ok? Mais, non, mais attends, justement j'allais te le dire. Non mais ok ouais. Ouais une fois qu'on aura quitté le jeu et que vous aurez fini la flamme, ok d'accord. Ça marche. Oui, on dit qu'on fait ça. Dès que je fais comme d'hab, je me démerde quoi. Mais ils finissent le jeu mais sans moi ton tube hein, ils en ont rien à foutre hein. Ils en ont rien à foutre de ta vie, t'as compris ton tube? Tu n'existes pas, tu n'es personne, désabonne-toi. Tu arrives, les portes elles s'ouvrent. C'est beau. C'est beau hein, c'est royal. Ouais, bah, le mec qui regarde la vidéo pour avoir la solution, il va faire ouais, super. Hein. Ah, il faut que tu lui dises qu'il n'y aura pas de solution dedans. Oh là! YouTube, à ce stade de la vidéo, au bout de 3 heures, je pense que tu as le droit de savoir qu'il n'y aura pas d'astuce. Je pense que tu peux aller regarder une vidéo de l'Oclear. On aura des astuces pour faire chier ton prochain. Pour pouvoir déménager à Malte. Sache que je te déteste, l'Oclear, hein, si jamais. Pourquoi pas humainement, pas en tant qu'individu, mais parce que c'est lui qui nous refourque tous les joueurs toxiques qui passent 4 heures sur le jeu à traquer les gens. Juste parce que c'est rigolo, au bout de 4 heures, de tuer des gens parce qu'ils s'y attendaient pas de te croiser derrière un tonneau de forteresse alors que tu dormais depuis 4 heures au même endroit. Mais y a pas moyen... Pardi, comment t'es monté? Avec le... Regarde. Mais... Regarde. Ah oui, d'accord. Ah non, Pardi, comment t'es pas monté? Par contre, certes, mais tout ça pour aller où? Dans... DTC ça, est-ce que ça... Attends, est-ce que ça...
Oui, c'est bon, la porte est ouverte. D'accord. C'était fort intéressant. C'était vachement... T'as vu YouTube comment j'ai trouvé la solution tout seul, quoi? C'était puissant. Allez, hop. Y'a des munitions en bas, si jamais. On se demande bien pourquoi faire. Et je vois encore des sirènes. Et je vois des marquages de sirènes muraux. Ouais. Qu'en pensez-vous? Vous avez 2 heures. Celle avec chaîne, c'est en mid. Ou c'est en bas? C'est en baisse. C'est en bas, je crois. Ça a l'air d'être en bas. Ouais, je l'ai descendu. Je l'ai descendu. Celle avec le... Avec le joyau Joyau au milieu et l'autre en haut. Joyau au milieu, c'est fait. Et elle est où, clarinette? Elle est en haut. Voilà. Voilà, et c'est bon, on peut lancer la clarinette. Elle est en haut. Je la vois même. Ah oui, ouais, elle est énorme en fait. C'est pour ça que je l'ai pas vue. C'était énorme et sous mon nez. Je pouvais pas la voir. Bah ouais. Comme on dit, hein, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Bah ouais. Enfin, ah, carrément. Pas tout, pas tout, mais enfin, vous m'avez compris. Oh, ma blague a fait bouiller le jeu. Dégueulasse. Oh, coquin. Coquin. Oh, heureusement que toutes mes vidéos sont classées plus de 18 ans. Ah bon? Oui, toutes mes vidéos sont classées plus de 18. Heureusement. J'ai presque envie de dire plus de 30 en fait. Enfin, étant donné que le wokisme c'est principalement un mouvement de femmes d'une trentaine d'années, je pense qu'on pourrait même dire 30 beaucoup plus quoi, genre 38-40 quoi. Wow, arrête de te la secouer là. Wow, ça m'a perturbé là. Wow, j'ai vu un Rakmar mon gars, ça m'a perturbé, hein, excusez-moi. Hein. Excusez-moi les garçons, ça m'a perturbé. Hein. Ah! Chez. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça la question? Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait avec ton Brakmar? Vas-y, je me mets là. Regarde à l'étage, normalement t'as une corde pour monter. Ah! Vas-y, monte-la moi! Eh bien. Mais non, de l'autre côté! Je ne vois pas ce que ça nous apporte. De l'autre côté! Ah, bien joué, Kwisatzko. Vas-y. Comment on fait pour bouger là? Bah dans l'autre sens, ça marche pas. Essaye une des flèches. Insiste un peu. Voilà, ça finit par monter. Voilà, si t'insistes un peu, ça finit par monter tout seul. Hein. Bravo. Hein. Oh mon grand. Hein. Même plaisir que t'aies découvert la virilité. Non, enfin toujours pas. Mais Qu'est-ce que c'est que ça? La virilité. Salut. C'est la barbe sur la gueule et plus de cheveux. Que tu... Bah, ce que tu n'as pas en fait. Mais t'as des cheveux. Désolé, pardon. T'as de la barbe, mais pas de cheveux, du coup. Bah, non, pardon, il a pas de barbe et il a des cheveux. Ouais, du coup, il est pas viril, là, ce que t'es en train de dire. Pourquoi la seule cinématique que j'ai vue, elle était toute pétée? Mais pourquoi? Bonsoir. Désolé de vous déranger, je passe vraiment en deux spi, mais est-ce que c'est moi ou Discord est full à train de bug de partout? Alors, y a pas que Discord, mais tout le monde dérange au final. Hein. On peut pas ramasser l'or. Mais sinon, qui que tu sois, dis bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube. Voilà. Voilà, mais vraiment. Tu veux que je me présente pour ta vidéo, Claire? Oh, bah si tu veux, hein, fais ce que tu veux. Ah, bah écoute, mon pseudo c'est Zorago, je suis un gamer de 20 ans. Ah, putain, c'est lui. J'ai été courir 5 minutes et soit je suis asthmatique, soit j'ai vraiment une très mauvaise condition physique. Ah, pourtant tu fumes pas Zorago, ça fait rond de ma part. Tu n'es pas fumeur. Voilà. Non, je suis pas fumeur du tout. Voilà. Et si, il y a une chose très importante qu'il a oublié de te dire, YouTube, il est suisse. Ouais, je suis suisse. Mais non, la vérité, c'est juste que j'ai des giga allergies au pollen et je suis sorti comme une merde. Ah, Sarah, c'est le début du printemps, enfin c'est la fin de l'hiver, début du printemps, c'est horrible. Il souffre. La vérité, c'est voilà, c'est la sélection naturelle. Et en vrai, c'est grave drôle parce que moi cette année je les ai. Ah, tenez, l'Assemblée des Frères de l'Ombre. Lire le livre. L'Assemblée des Frères de l'Ombre par Wanda Warsmith. En examinant cet étrange assemblage de visages dont certains étaient familiers et d'autres inattendus, enfin, j'ai enfin compris la raison de notre présence. Le dirigeant des Chus, Lor,
sur son crâne désormais taché et terni, et son avidité ne fut jamais étanchée par les maigres tributs offerts par ses disciples. Le naufragé, rendu responsable d'avoir semé le chaos parmi les siens, il a été attiré en ces lieux par les chants des sirènes. Il voit enfin venir la fin de son rêve, il est temps de se réveiller. Davy Jones lui-même, autrefois un pirate dont le plus grand amour était la mer, qui finit par le trahir, elle lui a tout pris et ne lui a rien donné en retour. Nous sommes tous ici, car chacun, à notre façon, nous avons vu clair dans le mensonge de la vie pirate qui nous apportait que des espoirs. Il est temps de mettre un terme à ce mensonge. David Jones, du coup, nous parle, parce que quelqu'un a déclenché une cinématique. Bah, il semblerait que ce soit moi. Putain, mais t'es où ? Et du coup, j'ai pas la voix de David Jones. Et du coup, vous êtes sur Sea of Thieves ? Oui. Ouais. Eh bah écoutez, amusez-vous bien, passez une excellente vidéo YouTube et voilà, je voulais juste savoir si le Discord était en PLS. Je sais pas comment j'ai fait, il y avait pas de porte quand je suis passé. Et du coup, je vous souhaite une excellente soirée. Bah des bisous, au revoir. À la prochaine. Ciao. Putain, mais pourquoi tu nous attends pas quoi ? Mais je savais pas que c'était là. Ta gueule. Et je piche que dalle. Alors, je vais en profiter pour t'engueuler gentiment devant YouTube, parce que nous, YouTube, ils regardent une porte depuis tout à l'heure. Ouais. Ah oui, bah. Donc YouTube t'emmerde. N'hésitez pas, YouTube, à utiliser des mots grossiers et extrêmement vulgaires pour parler de Kwisatz. Je n'hésiterai pas à lui remonter strictement tous les messages. Parce que je sais que je réponds pas à tous les messages, genre je viens d'en voir un de Woodash m'indiquant que le son sur King of Dungeoning... Bon, la musique est bien, mais elle est un peu à donf, quoi. Bon, c'est pas faux. Mais ça va se régler, hein. 13e épisode, j'ai arrêté de tourner au bout du 13e. Alors, ouais, j'ai réussi à éteindre mon PC au bout d'un moment. Enfin, le jeu, du moins, au bout d'un moment. Voilà. Je réglerai le problème. Enfin, j'ai réglé le problème. Enfin, normalement, genre là, on m'entend, normalement, YouTube. Normalement, YouTube, tu m'entends, là, plus que le jeu. Ou à peu près. Bon, bah, Kwisatz, bah, quand t'auras fini de jouer au jeu, tu nous appelles, hein. Bah, j'arrive. Mais je sais pas comment on fait, moi, pour ouvrir la porte. Bah, bon, nous non plus. Mais vous avez pas le... Démerde-toi. Y'a pas une con, quoi. Non, mais moi, ça me fait grand plaisir que tu te sentes un peu mal à l'aise de nous avoir lâché comme un vieux traître que t'es. Comme tous les samedis. Il sent mal, hein. Oh, tu te sens mal. Non, ça va, je me sens... Seul ? Ouais, ouais, bah nous aussi on sent seul, mais à deux. Ça va, il y a Jack Separo, c'est bon. Heureusement que j'ai du rhum de mon côté. Putain. 79k, ça se tabasse, ça. Heureusement que j'ai Red Shadow Legend aussi. Vous connaissez Red Shadow Legend ? Ouais, c'est un jeu de téléphone, donc c'est pas ouf. Mais Red Shadow Legends, vous voyez, c'est un peu comme League of Legends. Ce serait sûrement ouf s'il y avait une vraie histoire et un vrai jeu ou une vraie série derrière. D'ailleurs, on va en profiter, hein. Pardy, est-ce que tu peux nous parler de la série proposée par Arkane, le studio français, de la série de League of Legends, à quel point c'est ouf ? Si vous voulez voir de beaux graphismes, et des personnages attachants, carrément, des personnages attachants, une belle histoire,
Et après, pour tous ceux qui sont un peu fans de League of Legends, il y a quelques easter eggs qui se promènent dans le jeu. Alors, j'ajouterai à ça aussi, ils se sont fait un grand plaisir avec les plans de caméra de ouf. Enfin, ils ont, du fait que ce soit de l'anime et pas de, du filmé, avec des plans de drone, machin, etc., ils ont pu se permettre de faire des plans de caméra. Enfin voilà, ils ont vraiment exploité le truc de ouf. Et en vrai, faut dire ce qui est. Je connais pas énormément de séries animées ou dessins animés. Dans les excellents, je mettrai Clone Wars. Pour ceux qui l'ont vu, seront peut-être d'accord avec moi ou pas. Mais elle bat tout le monde à plat de couture, je crois. C'est un peu la série de l'année, je crois. Et pourtant, tout le monde sait à quel point j'adore les joueurs de League of Legends. Un pardi, ça le traite. Ouais. Ah, je crois que t'es peut-être l'un des seuls que je tolère. Que tu tolères, pardon. Oh, incroyable. Oui, parce qu'il y en a d'autres quand même. Hein. On va pas citer les noms ici, on n'est pas une balance. Bah vous tous, puisque vous avez tous joué à League of Legends. Vous avez tous moins de 67 ans, vous avez tous joué à League of Legends. Non mais dans ton cercle... Dans ton cercle de connaissances... Waouh, comme si moi j'avais un cercle de connaissances quoi. Alors, assez proche. On parle de moi que dès que quelqu'un change de pseudo sur Steam je le... et sur Discord je le banne parce que je sais plus qui c'est ça. C'est ça dont on parle. C'est après que frère, c'est ton problème si tu regardes pas le hashtag. Hein. Ah bah ça, moi les hashtags, si tu veux, c'est fini depuis 1945. Hein. Bon, t'y arrives ou quoi, toi? C'est un peu lent tout seul. Bon, en tout cas... Elle est stylée, la salle. Tu veux peut-être un coup de main? Que je tire une balle ou deux, comme ça, tu vois. Hey Arthur, tu finis ce que t'as commencé. Ah, trop tard. Si. Ah non, trop tard, je peux pas te ramener. Mais comment elle s'est ouverte? Mais la porte n'est pas ouverte. Comment t'as fait? J'ai emprunté une statue. Que Pardy a fini par faire aussi. Mais tu pourras contempler la vidéo et dire à tout le monde dans les commentaires à quel point tu es désolé de nous avoir laissé contempler une porte pendant je ne sais combien d'années. Avant que je décide de l'emprunter, évidemment. Ouais, t'es des textures. Eh bien, avant d'être désolé, YouTube, je suis plus désolé pour vous parce que j'ai pas fait gaffe. En plus, je vais pas tarder à mourir. Très bien, mais j'ai pas de PV. T'es où? Trop tard. Mais t'es où? Trop tard. Putain. Si tu veux manger. Non, bah vas-y, moi je vais mourir. Hein. J'attends pour mourir. Hein. Voilà. Et personne ne viendra me réanimer. Qu'est-ce que j'ai de... Mais. Bon. Je pense qu'il faut qu'il y en ait un qui fasse le pigeon et les autres qui tirent au canon. Tu veux dire qu'il y en a qui faut qu'il fasse le rat? Bah ouais. J'ai envie de dire, c'est un peu toujours le même depuis le début des fables. Ok, les canons ils sont derrière moi. En fait, je crois qu'il y a que Jack Sparrow qui peut prendre les canons, non? Mais en tout cas, si c'est lui, il tire vraiment comme une balle. En même temps, c'est pas de sa faute, c'est un fantôme. Alors, si vous voulez, il y a un stock. Ah ouais. J'ai pas de balles.
quelque chose à faire? Ah oui, je crois qu'il faut jouer avec les poulies pour le pour lui donner accès à une nouvelle zone. Il faut trouver les poulies. On en a trouvé une. Bah ouais. Oh, le jeu a pas voulu que je saute. C'est raciste. Ah c'est bon, j'ai trouvé la poulie. Oui mais c'est vrai, j'ai déjà tourné, normalement il a déjà bougé. Ah celle-là? Ouais. J'en ai peut-être une ici là, non c'est pas, c'est une poulie. Ah c'est bon. Hop. Oh du butin. Là où je suis il y a du butin, ouais. Où ça? Ah voilà. Ah bah je comprends pourquoi il y a du butin là. Merci. Sur les munitions. Ils sont là où on est. Derrière toi, pardé. Yes. Juste à ta gauche, ouais, là, mec. Ici. Heureusement qu'ils sont loin, les grands. Pardon, je vais vraiment laisser de balle à côté. De quoi? Non. Bah, pour ce jeu, j'ai vraiment mis une balle à côté qui était honteuse. C'est honteux! Honteux! Il y a un truc qui brille là-bas. Ah oui, c'est quoi? C'est un trident. C'est un fameux trident, fin comme un oiseau. Qu'est-ce que t'es parti faire là-bas, toi? Je suis à la recherche d'objectifs. Il va partir faire un gâteau, vous êtes sûr? Bonsaï! Bon, ils sont translucides. On peut pas les vaincre. Ouais. Collectionneur d'or! Il faut le tuer. Ah, il jette de l'or, trop bien. Hey, calme-toi! J'ai rien fait. T'as pas de preuve.
Okay, merde. Tu manges pas de banane. J'ai plus rien à manger. Il est où? I have another plan, and this time it's a good one. You should probably stand back. Il est parti où? Au top. Il a coupé la corde qui était ici. Il est parti. Ah, non. Ah oui. Et il nous a laissé un canon. Trop bien ça. C'est sûr qu'il faut tirer sur le mec au shield là. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Ou sinon peut-être sur la poutrelle, ouais. Ah, c'est en poutrelle. Non, ça fait rien. Bah voilà. Bon. Je vais juste attendre que ça se passe. J'ai pas mieux que des bananes, si j'ai mieux. Ok. Il est terminé, frère de l'ombre. Visiblement. Pistolet du chagrin en outil. Merde. Putain, j'ai glissé. Moi aussi. Calypso. On a fini là, du coup ? Bon, ça y ressemble, hein. J'ai envie de dire, allons vendre notre loot, hein. Loot... Qui me donne la direction d'un avant-poste ? Tu vas ? J'y suis. J'avais un point sélectionné sur la carte, mais je pense que c'est pas. C'était involontaire. Trésor des profondeurs secrètes. Sanctuaire du tombeau de corail. Ah, il y a des points qui sont apparus depuis. On va être plein sud, par plein sud. Tac, pour l'instant. Alors, j'ai envie de dire, on a en avance. On va aller à Sanctuary. Hills, parce qu'on est plus loin des joueurs qui ont le mauvais pavillon, on va dire. Sud-ouest. Prends sud-ouest, sud-sud-ouest quoi, un truc comme ça, un truc un peu bâtard. Alors, 2 secondes. Ouais, je me doute, hein, t'inquiète. Hein. Je me doute que c'est un peu le dawa. Un truc comme ça? Sud, sud-ouest, ouest. Tu tapes entre le sud-sud-ouest et le ouest. Un peu plus à droite.
Et je vais checker la carte. Ouais, comme ça. Alors, je sais que c'est un peu la merde à tenir, mais du coup, je reste sur la carte en attendant. Non, bah t'inquiète, ça va. Ouais, bon, avec la tempête, tu risques de dévier un peu, donc sache que je suis sur la carte. Non, mais non, normalement, ça devrait le faire. Je pense aussi, t'as l'air d'être bien parti. Parce qu'en vrai, la tempête, on a peut-être la pluie, mais... Oh là, mon câble qui pète un peu. Câble. Attention. Oh non. Musique qui fait peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ça sent le mégalodon. Ah, requin. Ouais, mégalodon à la poupe, c'est ça? Au cul. Il va à gauche, il va à droite, il va où? Donnez des infos. Là, il est sous l'eau. Là, il arrive dans le cul, là. Il nous prend par le cul, là. Il arrive sur la tribord là. Il est à tribord. Là, il est sur notre bâbord. Canon. Les canons sont chargés. Oh putain, il est déjà parti. Con. Là, je le touche, hein. Si fort que j'ai aucune raison que ça arrive. Il est où? Ah bah bord. Je peux même pas le tirer, il est hors de portée. Ah, il est dans l'angle mort là. Il va nous percuter. Non, il essaye, mais il a la gueule grande ouverte. Je le massacre. Il boit de l'eau. Bah vas-y, hein, bois de l'eau, hein, c'est mauvais pour la santé, hein, vas-y. Étouffe-toi avec. Hein. En plus, elle est salée. Ah, il a attaqué. Reçu il a touché dégâts. L'arrière. Vas-y, je verrai pas. Ouais. Alors, où est-ce qu'il peut être? Bah, il est toujours dans le cul. Hein. Bon, on l'a tué, je crois. Non. Il y a du loot à gauche. Non. Ouais, mais c'est pas lui. Non, regarde la musique, elle est plus là. Oui, mais c'est quand même que des tonneaux. Je suis parti à la nage. Regarde, il y a un truc là, pareil, à tribord là. Tu veux que je saute pour voir? Bah, si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Ok. Un boulet magique, c'est déjà ça. Rien que pour ça, ça valait le coup. Des planches, des artifices. Sanctuaire du tombeau de corail. Ah bah tiens, c'est ce qu'on avait fait. Plus de feu d'artifice. Non, ça c'en est un autre. Vide. Bah y'a un sanctuaire de corail de... Il y a quelque chose qui brille. Vous êtes en train de louper un truc, les gars. Mais mec, moi je suis en train de trouver un truc. J'arrive à me TP. Qu'est-ce que YouTube rate? Dis tout à YouTube. YouTube adore l'audio description. Bah, ah, le fait que tu rases un caillou? Non, le fait que je suis passé entre ça. Regarde derrière toi maintenant. Alors que franchement, j'étais parti pour partir à gauche du caillou. Hein. Et bah c'est beau. Sache que YouTube l'a vu. YouTube te dit bravo. J'ai trouvé un coffre de trésors oubliés. Tu veux dire qu'il faut qu'on fasse demi-tour là? Un coffre de joyaux oubliés, pardon. Tu veux dire qu'il faut qu'on fasse demi-tour là? C'est un petit coffrounet, c'est pas vraiment très important ça. Bah je sais pas. Il faut juste que tu nous dises s'il faut qu'on fasse demi-tour ou pas, mais vite en fait. Parce que je peux pas le transporter avec moi, je peux que le porter à la main, je peux pas le porter dans mon inventaire. T'as pu checker la direction, monsieur? Je suppose que t'es bon là. Alors le quai, il est au sud, il est plein sud, donc il faut que tu contournes. Oh, je le prends pas alors.
Mais il est là, non, qui est juste en face, frérot. Non, non, il est au sud, celui-là, c'est... Ah, si. Si, j'ai rien dit. T'as raison. Non, mais vas-y, un pic dessus un peu. Je suis en train de te relever la voilure arrière. Pique dessus, pique même un peu à droite, et puis redresse. Voilà, là tu peux redresser, voilà, là t'es bien, là. Redresse à fond. Enfin, contre-bascule, à fond les ballons. Trop tard. C'est pas grave, vas-y. De toute façon, on va juste toucher avec le bout du nez. Ça va bien se passer. Mmh. Bah, tu vois, ça s'est bien passé. Peu plus que le bout du nez, hein. Et donc, ils sont où tous les coffres, là? Oui, il y en a partout, hein. On peut tout ramasser, hein, mon gros. Hein. On peut y aller. Hein. Tu vois si tu jettes l'ancre ou pas. Je te laisse gérer ton bateau. Yes, the peace excuse. Moi, tu me déposes. Enfin, tu déposes les coffres, je vais aller tout vendre. Ah, ok. Ah, parce que j'ai pris les petits objets à la con, là. Coupe ouais, de merde et tout. J'ai tué un requin sur la route. Je rentre. Ah, tu viens avec le coffre la façon Knarfank, ça, je reconnais. C'est la technique de la Knarfank production, ça. Okay, faut traverser la map avec un coffre. Let's go, j'arrive. Si le jeu m'envoie pas 70 requins, ça va bien se passer. Ça, ouais, ça c'est on verra, hein. Ouais, donc je t'envoie les coffres one by one. Non mais. Putain, le jeu de con. Ça m'étonne quand même, on a un coffre dont il faut une clé, j'ai l'impression, qu'on n'a pas. Essaye de garder un coffre-boîte par Z pour transporter le reste des merdouilles, là, parce qu'on en a quand même quelques-unes des merdouilles. Là. Bah au pire, les merdouilles elles se vendent à la meuf là. Non, on a des merdouilles dans tous les sens de tout, des crânes, des boîtes, des machins. Ouais, mais en gros, il y a des petites boîtes qui se vendent à la meuf. Ok. Et je te parle pas que de ça, moi. Je te parle aussi des coupelles bouffées par des coraux. Ouais, je vois le coffre de café, toi. Ça. La boîte de café. Putain, ils ont enfin mis le café dans ce jeu, trop bien. Il est où? Je me suis fait attaquer par un truc. Ah bah, c'est très probablement ce qu'on appelle un requin dans le milieu. Ouais, mais je le vois pas autour de moi. Coffre des tribus. Ah putain, se vendre à la meuf des trésors, ça. De. Pas des trésors, des marchands. Non, c'est une clé dessus. Oui, c'est une clé dessus. C'est pour le gars de la. Gold Ring. Gold Assman. Leur payeur. Ah. Je suis à deux doigts de mourir. Ah non, fais pas ça, t'as fait tant de chemin. C'est pas suffisant pour le jeu. Eh, les coffres ils payent, hein. Wouah. Tiens, du coup, Knarf, j'en ai ramené un vide. Ah, ok, je te le reprendrai sur le retour. J'ai encore quelques trucs à te déposer. Ah, vite fait. Voilà. Non, mais putain, le jeu. Malheureusement. Ah, fin de l'histoire. Ouais, c'est la fin de mon histoire, c'est la fin de mon combat. Je t'en ramène un deuxième ou... Non, c'est bon, je vais faire avec un. Ouais, quoi que, vas-y, hein. En vrai, trop tard, je suppose. Non, c'est bon, je te l'ai ramené, t'inquiète. Ok, parce que je crois que j'ai plus de 3 objets. Non, c'est pour ça, maintenant, je préfère toujours le prendre avec moi, quitte à refaire un aller-retour. Ah, c'est ça, j'ai plus de 3 objets. Je vais essayer de te mettre tous les crânes ensemble. Ah oui, mais j'ai moins de crâne qu'autre chose. Ok. Crâne abject. Ok. Dans ce coffre-là, t'auras que 2 objets, t'inquiète, c'est normal. Je t'ai juste mis tous les crânes, tu pourras vendre le coffre qui va avec. Dis bon, on fait quelques secondes. Alors. C'est pas désagréable. Qu'est-ce qu'il y a à ramener? Coffre de café. Non, ça, tu me le mets dans la boîte, s'il te plaît. Oui, c'est ce que j'allais faire. Non, mais la boîte à café. Ah, tu peux prendre par contre le corail. Je pose le corail à côté. Tu veux bien prendre le corail? Ouais, je prends ça. Hop.
pose ça sur le quai et je vous poserai le dernier coffre après celui-ci. Et on sera bon, vous pourrez tout vendre. Voilà. Ça se roule, Corail ? Alors, je sais pas du tout. Mais si jamais tu trouves, n'hésite pas à le dire à YouTube. Ça intéresse énormément YouTube. Bien sûr, c'est une solution intéressante. Alors. Et coffre de Corail, le petit dernier. Et ça se vend au collectionneur. Au collectionneur d'or. Excellent. Une émeraude de sirène, je vends ça à la première qui passe. Voilà. Hop. Ok, tout ça, ça va derrière. Tout ça, ça va derrière. Ah, c'est vrai que les grades sont à 60 maintenant. Non, demi-tour. Ouvre le coffre, tu récupères tout ce qu'il y a dedans. Suis-moi, demi-tour. Ça se vend à elle. Ah oui. Ah, tout ce qui est café, ouais. C'est mon coffre. C'est beau ton coffre. T'as une préférence pour la vente de ton coffre ou pas? Bon, je prends ça pour un non. Pourquoi? Pour toi, parce qu'en fait, même si tu, quand tu vends des coffres aux marchands, je monte légèrement la réputation, je crois aussi. Et ben, on est pas mal. Hein. J'ai pas regardé mes stats de gens, je sais même pas où c'est. C'est quoi ce dans le journal de pirates? Oh oui, ça va dans le journal de pirates. Aventure 2, For the Forgotten Histoire, bientôt disponible. Ah, c'est pas encore. D'accord. C'est un spoil. Les réputations, s'il vous plaît. Dans de la faucheuse 20, ouais, bien sûr. Ah ouais. Ah oui, il va falloir que je ponce un peu l'ordre des âmes, je suis un peu en retard. Mais c'est plus de 60 en fait, 70 et tout. Oh, loup de mer, laisse tomber. Tellement l'abandon. Quoique loup de mer supérieur à Fortune d'Athéna. Hein. Tu as quand même précisé. Faudrait que je fasse un jour des quêtes d'Athéna. Ouais, faudrait qu'on fasse un des quêtes. Voir le stock de l'Arina. Tu vends des quêtes de contrebandier d'Athéna de Tiefshaven. Où ça se doit payer sa race? Où ça se doit payer sa race? Où est-ce que j'achèterai pas ça? Du coup, je reviens. J'ai encore une quête légendaire épique sur le cul hein, que je vais traîner pendant un an. Je l'annonce. J'achète des grades évidemment parce que je suis le pire. J'achète mes grades, j'en suis là. Et ça c'est mais quoi ouais, la légende du royaume immergé requiert la promotion les mystères des royaumes immergés. Oula, oula, il y a des trucs à faire ici visiblement. Intéressant. Donc ouais, écoute, on va poser la question à Thur, mais s'il est chaud pour se faire des Athéna et tout. Ça pourrait être cool. En tout cas, là, j'ai mis la main sur une sur un voyage, mon petit bonhomme. Je te dis que ça. Hein. Contrebandier d'Athéna de Tiefshaven que tu peux acheter aussi auprès de la fille qui est devant le truc. Hein. Seules les légendes peuvent mener un équipage pour affronter ce défi mortel en 5 chapitres se développant à proximité de Tiefshaven. Quête en 25 jours. Et j'ai entendu. J'ai entendu quête en 25 jours. Et vous? Vous avez pas entendu la même chose par hasard? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Mais je pense que c'est déjà bien. Je pense que YouTube est content. YouTube a pris sa dose. Ah ouais, je pense là. Hein, alors, pour tiens ce quand soir, même à préciser YouTube hein, pour les survivants qui seraient arrivés jusqu'ici que si on a mis si longtemps à vous retourner du Sea of Thieves, c'est qu'il y a deux choses primordiales. Premièrement, parce que l'un d'entre nous avait pas un PC de gaming. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que OBS ne pouvait plus capturer ce jeu. Maintenant, OBS peut à nouveau capturer ce jeu. Vous pouvez donc à nouveau voir Perruquet sur le quai. C'est incroyable. Perruquet sur le quai, c'est de la quéception. Voilà. Je vais pas vous dire plus. Est-ce que c'est pas le moment de faire des bisous à ton tube? Bisous ton tube. Voilà. Des bisous. Bisous.